à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau chapitre tout simplement de Critical, le JDR. Oh là là, incroyable, il s'est mis aux couleurs et en même temps, il valait mieux puisque la dernière fois tu n'étais pas là. Ouais, ça aurait été drôle, c'est chiant. Je croyais que t'allais dire en job parce que comme t'étais habillé, c'était pas ouf. Exactement. Ça t'a bien. Ça aurait été pas mal. T'es bien, tu t'es mis aux couleurs, c'est parfait. J'ai toujours pas récupéré ma bagnole, mais je suis venu en train plus tôt. Attends, du coup, pas. C'est la Suisse. Bye. Mais est-ce que tu sais pourquoi, finalement, tout ce qui s'est passé la semaine dernière, oui, c'est un peu de ta faute? Hein? Quoi, le... Bien, attends, sérieux? Je vais devoir me rembourser la moitié de l'embrayage parce que... Tiens, je te donne un conseil. Parce que regarde, dans le plan... Ah, voilà. Vous savez qui lui a offert ça? Mais dis donc, Max. Il y a les mouchoirs. Non, alors pas du tout, c'est pour me moucher, calmez-vous. Vous savez qui lui a offert ça? Non. Moi. Pourquoi? Parce que, en fait, il manque toujours des petits mouchoirs ici pour. Lui, souliers. Il aime bien avoir un petit mouchoir. Moi, j'aime bien mes souliers. D'accord. Ok. Mes lunettes, pour alors, pourquoi c'était un peu de ta faute finalement la semaine dernière? Et pendant que je vais raconter ça, évidemment, je t'invite à regarder le chat parce que moi, je l'ai pas encore sous les yeux pour que tu puisses vérifier que tout va bien au niveau du putain de son. Tu refais ton envie, ça c'est cool. Et ça, c'est merveilleux. Parce qu'en fait, il a hésité à venir en transport. Ouais. C'était plus court pour lui. Ouais. Et il a finalement décidé de prendre sa voiture en se disant « Ah, il y a Marie, je pense qu'en rentrant, elle sera contente que je la ramène. » Oh, c'est gentil. Mais je t'aurais jamais demandé. Parce que non, je t'aurais imposé ça. Mais je... On serait dans une cave, c'est très bien. On se sent vachement à l'aise. Non, parce que je t'aurais jamais... Il n'y a qu'une seule personne que j'ose déranger pour ça, c'est Max. Et ben, salut. Oui. Et ben, tu vois, Max, qui est le mec sympa qui te raccompagne, c'est vrai. Je suis lui au carré. Je peux faire des détours sans que ça me pose aucun problème. Et surtout, en fait, wow, je repartais depuis le Valois. C'est vrai, je que pouvais très bien à peut-être minuit passer à peu près au milieu de la route. Oh, c'est adorable. Et vraiment, ça faisait partie des choses qui. Alors, la première chose, c'était de me dire quand je vais partir de chez Max, il va être à peu près à minuit. Et prendre un train à minuit à Vitry-sur-Seine, voilà, on préfère partir en bagnole. Mmh. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, bah, en plus, si je peux raccompagner Marie et faire d'une pierre deux coups, bah, ce sera cool. Adorable. Donc, ça fera la moitié de 600 balles. D'accord. Faisons comme ça. Faisons comme ça. J'aurais jamais osé te déranger. De la même manière, j'aurais jamais pris le train en pleine nuit. Mais voilà, tu vois. Bref, en tout cas, je suis content d'être là. Et franchement, je vous ai quand même regardé par écran interposé. J'étais en mode, mais putain, mais faites ça, mais c'est évident là, c'est lui le méchant. Ouais. En fait, on a pêché parce qu'on manquait de muscles. Oui, et bien justement, il est là. Ça bouge encore. Mais il est là. Il est là, il est 100% prêt et c'est justement ce qu'on va voir tout à l'heure. Vous avez vu, j'ai commencé à mettre le setup, donc on a des caméras qui changent toutes seules. Je vais peut-être être un petit peu moins emmerdé sur ça. D'ailleurs, je vous propose de passer directement. Regardez, hop, on va faire un truc un petit peu magique qui va faire genre ça. Voilà, comme ça on a chacun notre petit plan, on est bien. Et je vais en profiter du coup pour faire un petit rappel de ce qu'est le jeu auquel on va jouer ce soir et de ce qu'on a fait hier. J'ai pas présenté Bastien, je suis une sale race. Je vous propose de découvrir Bastien. Bonjour Bastien. Hélène Fraîche. Pourquoi? Parce que vous êtes tous présentés là? Bah, en fait, si t'as moins de 1000 abonnés Twitter, tu n'existes pas pour Maxime. Je suis désolé, mais. J'en ai 36. Eh ben au revoir. C'était trop cool. Déjà, t'es à côté de Marie Palot, c'est quand même exceptionnel. Ça va. Oh merde. Comment ça va, Bastien? Et est-ce que tu es prêt pour cette nouvelle session? Bah écoute, ça s'était arrêté la dernière fois sur les chapeaux de roue. Mm-hmm. Ah, on a tout réussi. Ouais, mais je veux dire, on voulait avoir la suite, donc on est quand même content de savoir ce qui va se passer. Ouais. Ouais, tout à fait. Vous avez fait donc du coup la partie 0, que moi en fait j'avais déjà faite avec Mai, et ça s'était beaucoup mieux passé que vous. C'est vrai? En fait, on avait mieux réussi les tests, mais ça veut pas dire que c'était mieux réussi. De toute façon, c'était la partie d'intro, on arrivait à peu près au même point. Ouais, parce que vous étiez un petit peu parti de la mort, alors que nous, on avait un petit peu... Bah, dans le labo, on s'est tiré dessus pendant 2 heures et personne se touchait, quoi. On a mais quand même après, eu la chance il avait dans notre triché. Match. C'est vrai. C'est vrai. Avait... En fait, alors attendez, parce qu'il s'est quand même beaucoup mis la faute, moi qui suis un peu expert en mauvaise foi, c'est écrit sur vos cartes. Oh, bah s'il faut lire les cartes. Attends, je suis pas vrai, moi je suis le premier où quand en fait un mec qui m'explique le jeu me donne un truc, je vérifie. Donc si tu pars du principe que c'est mes cartes, je repars avec. Tu fais bien ce que tu veux, tu vois avec Max, on n'a rien à foutre. Pourquoi on a des stylos? Je sais pas pourquoi on peut dessiner sur le tapis. Pourquoi des stylos? Je sais pas. Moi, je suis en train de faire des réglages en même temps parce que je veux qu'il y ait des trucs qui apparaissent qui disparaissent. Pouf Souffle qui est quand même il manque mon médaillon. La plus OSEF de Harry Potter. Non, vous avez... Alors, je vous le dis. C'est le mec sympa. Vous pouvez reposer ces stylos sur le côté. Vous n'en aurez pas besoin. D'accord. Du coup, si j'ai bien compris, il faut que je le mette comme ça. Vas-y, parle. Pourquoi?
C'est comme allô, allô, salut. J'ai pas de médaillon, ouais, donc il faut que je sois comme ça. Ouais, en fait, regarde, non, c'est quand c'est moi qui parle. Salut les gars, comment ça va, tout ça. Ah oui, donc tu, vraiment, tu la zèfles jusqu'au bout, quoi. Bah non, y avait un plan, non, c'est sur mon plan que tu n'as pas de truc. Voilà, tu vois, là, tu n'apparais pas. Mais il n'y a pas de problème, car c'est très simple. Il me suffit de trouver le putain de plan que je ne trouve plus. Oui, il est là. Et regarde, je vais te faire apparaître. Tu t'avais oublié. Voilà, Hélène, t'es là, t'es là, mec, t'es là. Regardez, paf. Yeah, tout va bien. T'es content, oui. T'es content, on parle de toi. Abonnez-vous à son Twitter, comme ça il reviendra la semaine prochaine. Avec 38 abonnés. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, les amis, nous allons jouer à Critical. C'est un jeu de rôle, ou plutôt c'est un jeu de société. Que dis-je ? En fait, c'est pile entre les deux. C'est-à-dire que c'est une boîte qui se présente sous la forme d'un jeu de société avec du matériel. On se dirait que putain, c'est un jeu de société. Mais en fait, c'est un jeu de rôle et c'est un vrai jeu de rôle puisqu'on est eh bien, sur un. Quelque chose qui va être complètement narratif avec un vrai maître du jeu, alors en l'occurrence ici un débutant, mais un maître du jeu tout de même, qui a eh bien, évidemment des armes hein, sous les yeux, à savoir des éléments narratifs qu'il va devoir eh bien, raconter à ses différents joueurs. Et puis je vais vous mener au fur et à mesure des scénarios au fil de, de l'enquête voilà, qu'on va mener ici. On est sur le scénario Fondation, saison 1, ça veut donc dire qu'il y aura d'autres saisons, il y aura même d'autres univers. On va découvrir un petit peu tout ça ensemble. Pour le moment, on a fait le scénario 0 qui nous a permis la semaine dernière d'apprendre un petit peu les bases, et on a fait le scénario 1 qui nous a permis simplement de se lancer un petit peu dans l'intrigue, à savoir que on a trouvé un docteur fou qui s'appelle le docteur Monroe, qui globalement essaye de faire des expériences un peu dégueu sur des humains encore en vie, donc c'est un petit peu chiant. C'est pas le problème. Et alors que lui il a été retrouvé mort. Oui. Et alors qu'une de ses victimes s'est retrouvée eh bien, à s'échapper de sa cage et à se retrouver à l'hôpital, eh bien, lors de son réveil, on est allé l'interroger pour obtenir quelques informations. C'est à ce moment-là qu'un tueur a décidé de débarquer avec 2 gigaflingues. Le mec était absolument imbuttable. Ils ont mis 1000 ans à réussir à le tuer. Ils ont finalement réussi. Et c'est alors qu'ils ont découvert que... Il y avait des petites poussières grises qui sortaient de ses yeux, de son nez, de ses oreilles, bref, de tous les orifices. C'était dégueulasse. Ouais. Vous avez checké tous les orifices ? Bah, tous les orifices. Tous. Et ça s'est arrêté un petit peu là, donc bah voilà, on va essayer d'obtenir un petit peu plus d'infos sur tout ça. J'aimerais qu'on représente un petit peu les personnages qu'on a autour de la table. On va commencer par Marie, puis Bastien. Enfin, on terminera par notre nouveau personnage, Aka Rofelos, mais qui changera peut-être de nom très bientôt. Aka Marie. 47. Mais oui, moi je suis Mireille. Donc je suis. Elle l'assume aujourd'hui. Je suis médecin légiste. Donc brillante scientifique, dotée d'une logique imparable. J'ai un petit défaut, c'est que je suis excentrique. Donc sur le terrain, bah, c'est un peu chiant, faut canaliser. Mais je suis très à l'aise avec tout ce qui est analyse des corps, des cadavres. Donc j'aime bien. J'aime bien observer bah, par exemple la poudre qui sort des orifices. Alors, ça, j'étais sur le terrain. J'ai un petit bonus mental, évidemment je suis scientifique, donc j'analyse les choses, etc. Ce qui fait que dans notre progression, ça nous a parfois aidé, parfois on a manqué de muscles, comme on le disait, mais en tout cas, mon drone médical s'est occupé de nous remettre des petites doses d'HP quand il fallait. Et puis voilà, on a des flingues un peu pétées, donc j'ai hâte. C'est quoi ton skill en médecine ? J'ai un drone médical. Je suis Anaïs. Ce qui en réalité m'a l'air tout à fait utile. J'ai fait 7 ans de médecine, j'ai un drone pour vous soigner, les gars. Ça nous a sauvés. C'est vrai. C'est le futur. Oh, ça spam les. Oh là là. Ça spam. Merci pour tous les subs, évidemment. Moi j'ai une question pour toi, on se connaît pas encore. C'est vrai. Pourquoi, qu'est-ce qui t'a motivé à l'époque d'avoir fait médecin légiste ? J'aimais bien le calme. J'aimerais bien être avec des gens de la mort qui ne parlent pas. Ferme leur gueule. Okay, c'est ça. Et dans la mort, il fait plutôt frais. C'est vrai. Et toi, pas mal été. Okay. Et j'aime bien aller chercher des réponses qu'ils ne sont plus capables de donner, mais que leur corps me donne. Parce que la vérité ressort toujours. Peu importe l'orifice. Très intéressant. Peu importe l'orifice. C'est terrible. À la fois intéressant et inquiétant. Qui es-tu, homme ou plutôt femme. Je suis Hélène Fraîche. Car je suis... Tu es une femme à l'humour douteux. Oui, exactement. Je suis une femme qui est plutôt l'inverse de Mireille. Puisque moi... En fait. C'est ce que je tue à vous dire depuis tout à l'heure. Moi, c'est pas tout à fait acté, mais... Moi, c'est... Si, je suis totalement à l'inverse, puisque en fait, moi, j'aime parler avec les gens. Je suis plutôt de nature
sociable. Et avec un gros défaut qui est la curiosité, qui me pousse toujours à vouloir savoir un peu ce qui se cache derrière chaque personne. C'est marqué n'ouvrez pas cette boîte. Et je l'ouvre. C'est moi qui l'ouvre. Très bien. Il nous a mis dans la merde. Et puis bah, moi je suis accompagné de ma fameuse petite tablette qui me permet bien sûr de faire mes recherches Google en direct. Ça c'est pratique ça. Ah, exactement. C'est vrai que les smartphones le font, mais... Mais la tablette c'est plus grand. Voilà. Et comme je commence à être vieille... C'est... En vrai, vous avez quel âge à peu près? Enfin, si ça se peut se demander... Enfin, on ne demande pas ça à une femme. C'est vrai, mais moi je vais te le dire, j'ai aucun problème avec ça. J'ai 20 ans. T'as 20 ans? J'ai deux doctorats, je suis très précoce. Eh bah, vous les faites pas. Moi je suis plutôt. Moi je suis plus âgé parce que j'ai 37 ans. 37 ans? Ah ouais! Mais j'aime bien tout ce qui est expérience. Exactement. Ah, vous êtes fait chier sans moi, hein, vous allez voir. Bon, et bien moi, alors attends. J'arrive dans une seconde, je suis en train de checker des tests. C'est bon, j'ai trouvé ma faille. Eh ben, je vais quand même rester un petit peu sur vous. Votre nom, c'est Hélène, c'est ça? Mon nom, c'est Hélène. Mon prénom. Non, mon prénom, c'est Hélène. Et mon nom, c'est Fraîche. C'est Fraîche. On peut t'appeler. Est-ce que t'es une fille pas comme les autres? Oh, qui a la rêve? Je suis. J'ai 45 Hélène. Ans. Une fille du côté de chez. Enfin, tu peux retrouver du côté de chez toi. Du côté de chez toi? J'adore. Ok. Qu'est-ce que tu avais d'autres questions? J'avais d'autres questions. Donc, Hélène, on peut t'appeler Hélène? On peut m'appeler Hélène. Ok, très bien. Mireille, on peut t'appeler Mireille? Oui. Mathieu aussi. Ok, impeccable. Vous n'êtes pas chiante. Et ça, c'est. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'apprécie. On l'a tout radé! Il nous manquait un petit détail et j'étais quand même en train de me dire merde, comment on va voir les dés? Eh bien, on va les voir comme ça. D'ailleurs, je veux bien qu'on prenne le temps juste avant de continuer de vérifier qu'on voit correctement ces dés, si ça vous va. Par exemple, sur cette table, mais ça, pas la Ruegos, hein, vous avez un lien dans le chat. Oui, bien, mais Marie est professionnelle. Elle est très professionnelle, elle a tous les sponsors. Elle est maintenant. Ça régale. Tiens, est-ce que tu peux me cadrer un peu le trou du. Voilà. Je te cale le trou, mon cher Marie. Cale le trou. Si tu m'as. Ça va comme ça ou pas? Ouais, un peu plus vers Marie. C'est beaucoup trop enjoué. Super, c'est un tout petit chouïa vers toi. Ouais. Oh putain, c'est bon, vas-y, bouge plus. Du coup. Là, t'es excellent. Hélène Fraîche? Ouais. La moitié d'une raie. À toi maintenant. Je l'ai pas. Mi-raie. La moitié d'une raie. Oui, ah, faut le suivre, hein. Wow. Mais voilà. N'hésite pas quand tu fais une blague. Il faut. Parce que moi, j'ai regardé un peu l'émission et puis je te connais un petit peu. Quand tu fais une blague, n'hésite pas à 1. Ne pas t'offusquer si on ne rit pas. 2. Expliquer tout de suite la blague. Jamais. De façon à ce qu'on reste pas comme deux ronds de flanc. Mais il a trouvé. C'est le but. C'est tout le but de les murs absurdes. Ok. Est-ce que vous avez déjà vu ce TikToker qui me ressemble à vous nommer avec des énormes muscles? Russell Crowe. Non, il y a un mec. Il y a vraiment un mec. Il y a un mec, c'est un bûcheron genre. C'est ma gueule. Alors quand j'avais en plus les lunettes percées, parce qu'il y a des lunettes percées, il est chaud. Lunettes percées, il me ressemble pas mal, il est un barbu bien sûr. Et juste, il a. C'est trois fois moi quoi, au niveau des muscles. Mais non. Trois fois? Ah, ça va. Cinq fois. C'est une. La montagne dans Game of Thrones. Oh, mais avec sa tête. C'est bizarre. Non mais franchement, si t'as pas vu ça, c'est très très poilu. C'est impressionnant. Ouais. C'est tout le temps torse nu. D'accord. Et il fait quoi? Il est sosie de moi, c'est son boulot. Et le mec se fait des couilles en or. Et il est TikToker et en vrai, il prend tout le temps des pauses. Ouais, oui. Mais comme ça avec sa hache et en mode. Oui, il a un regard un petit peu. Voilà. Un peu coquin, quoi. C'est Rove dans le métaverse. Ouais. Bref, dans le multiverse. Dans le multiverse, c'est moi croisé avec Thanos, quoi. Et ben vous prenez ce mec-là. Donc le physique, d'accord. Et vous le mettez dans la tête des éléments de Rambo, vous voyez? Le mec viril des années 80 qui... C'est pas ma guerre. En 2022 dirait... Oh, je peux rien dire, merde. D'accord. Ok, donc un beauf, quoi. Je vais essayer de faire un perso... Voilà, c'est vraiment un rôle de composition. Si j'ai quelques petites phases un petit peu beauf, sachez que ce n'est pas moi, mais mon personnage. En revanche, toutes les phases homophobes néo-nazies... Non. Je vais me calmer un petit peu. Donc, imaginez. J'ai envie de mourir là déjà. Imaginez ce mec-là. Donc, en fait, Barack, vous savez, l'espèce de nounours, quoi. Ouais. C'est un Barack au cœur d'or, quoi. Donc, son but est de protéger et servir. Donc, okay. Vous voyez, je suis quand même là pour vous à la base. Vous passez toujours en premier et ne laissez jamais personne derrière. Sauf une fois. Au chalet. Bref. Et donc, je me désole. Vous voyez, ce mec comme ça qui, en fait, est très fier de faire partie de l'élite. L'armée. Ah non.
l'élite aussi, mais de l'armée, d'accord. C'est quelqu'un qui prend très à cœur le côté protéger et servir, d'accord. Vous aurez peut-être quelques petits relents d'officier de police, vous savez, un peu zélé, qui veut absolument faire son boulot. On va vendre des petits relents, parce qu'il se lave pas les dents. Voilà, c'est le sens. Alors qu'il est même fraîche. Ouais, exactement. Oui. Je l'ai. Elle fait du tennis, elle est Roland Garros. Et c'est quelqu'un de très musclé. C'est quelqu'un de très musclé, et qui a particulièrement... Il y a une partie de son anatomie qui est particulièrement robuste, c'est... Ses oreilles. La bite. Son dos. Oui. Il a le dos très fort, et c'est pour ça que ses amis l'appellent Rovback. Oh non. Oh, oh non. C'était tellement bien jusque là. Oh là là. Elle est pour moi. Il a mis 1000 ans à la... Donnez-moi ça là. J'ai même fait dire à Max que de pas mettre le nom pas la règle. J'offre 20 subs parce que ça me dégoûte. Ah bah, ça me va, hein, je... Excellent. J'arrive pas à faire pause. Je m'appelle Rovback. Mon téléphone il marche plus. Alors attends. Je vous mets un petit retour et je vais renommer du coup Rof, qui va désormais s'appeler Rovback. Je vais essayer de me souvenir aussi de vos noms. Parce que... Alors d'ailleurs, ça c'est mon prochain projet. Après, j'ai depuis qu'on fait du JDR du coup, oui. C'est-à-dire depuis la semaine dernière, j'ai quelques envies d'amélioration dans ce studio parce que je me rends compte que j'ai un besoin impérieux de tout contrôler, mais depuis le bout de la table. Ce qui va nécessiter une cape de plus et un fucking écran sa mère. Mais ça va venir, vous allez vous abonner, voilà. Et je vais pouvoir faire ça. Va le dire. Oh bah alors là, moi je suis l'homme le plus honnête de France. Oh. Aucun problème. J'ai besoin de pognon, j'y vais égal, j'ai besoin de pognon. C'est comme ça que ça marche. Et ça fonctionne puisque d'ailleurs Jean profite pour remercier Gigamic qui sponsorise cette émission et qui nous permet de faire des trucs cool. Par exemple, eh bien, en finançant cette chaîne, un jour peut-être d'acheter des caméras supplémentaires et des télés sa mère. Voilà, et ça c'est bon. Enfin, des télés. Après Arnaud de sa mère, les télés de sa mère. Et... Ouais. Rovback, je l'écris comme ça. Ouais, on pourrait écrire R-O-U-G-H, mais pour le besoin de la compréhension, bah oui, c'était Rough. Ça. Bague. Tu le veux? Rovback. Vas-y, mais tu le veux, moi je le fais. C'est comme ça qu'on m'appelle. Alors vas-y, appelle-le-moi. R-O-U-G-H. Oui. Plus loin, B-A-C-K. Rovback. C'est presque une catégorie, ça. Est-ce que du coup on peut dire que ton némésis s'appelle... Vas-y. Oula. Vas-y. Non, je me rappelle plus son nom. Oh non, la défaite. Ah, c'est Boubabac. Quoi? Boubabac pour... J'ai pas la ref. Je l'ai pas. Alors attends, il s'appelle pas comme ça. Mais qui? Ok, d'accord, si t'as raison. Rof, le rappeur qui du coup est en clash avec Booba. Ah oui. Wouah, putain, wow. Ouais, non. Il fallait l'avoir. Ok, on va te donner des munitions. Au bout de la 20ème vanne, nul, tu es éliminé directement. La cinquième, ça lui met un peu plus la pression. Des points de santé et des points de vanne. Merci à tous ceux qui viennent de ce sub, évidemment, et qui ont compris mon appel au téléthon. C'est le mec, c'est le téléthon. Bienvenue à tous. Un appel avec un N majuscule, bien sûr. Ça fait très plaisir, évidemment. Si vous avez des primes et que... Sub, hein. Ouais, merci énormément, effectivement. Si vous avez des primes hein, que vous n'avez pas encore utilisées, pensez-y. Si vous avez de l'argent que vous n'avez pas encore utilisé, pensez-y aussi, c'est important. Si vous avez des sœurs que vous n'avez pas utilisées... Oh, oh non hey, pas les c'est mon personnage qui parle. C'est mon personnage. C'est pas moi. Aujourd'hui, ce sera mon personnage. C'est pas moi, c'est Rovback. Nous sommes donc avec Mireille, Hélène et Rovback. Yes. Je vais le dire comme ça, je pense, pendant l'ensemble de cette émission. Et nous allons partir sur le scénario suivant de Critical. Je vous remets une petite intro et on revient avec des petites lumières. Une petite pub. C'est super. Après une page de publicité. 5 pubs et on... Et c'est parti, les amis. Alors que des milliers de subs qui pleuvent. Merci Nico, évidemment, d'avoir mis la main à la poche pour tout le monde. Mais Nico, c'est un viewer de le stream, je crois. Alors franchement, s'il y a bien une chose sur laquelle je suis un incompétent notoire, Nico 6608 était dans le chat de Manga Sur tout à l'heure. Tu demandais des conseils pour les mangas. Oh, il est chaud. Et peut-être qu'il est venu parce que tu as tweeté. Peut-être que c'est toi qui le suis habituellement.
Donc, le carburateur, écoute-moi bien, je ramène du monde, ok? C'est très bien, c'est Milley. Oui, c'est lui, c'est totalement lui. Et ben, bienvenue. Eh bien, merci cool. à vous, évidemment, de suivre cette émission. Ça m'intéresse d'ailleurs dans le chat. Qui était là la semaine dernière ou qui va complètement découvrir le truc? Savoir si j'ai vraiment un besoin un peu impérieux de vous rappeler vite fait comment ça marche ou si juste, let's go, on se lance dans l'aventure. Oui, moi, j'étais là, moi, J'y fus. San Andreas. J'ai pas fini la rediff. Oui, c'est vrai que la rediff est disponible. Ah bah déjà, tu vas te spoiler. Je l'ai pas encore vu. J'ai raté la semaine dernière, j'ai vu que le début, nanana. Bon, ça globalement, va, il y en a beaucoup qui étaient là, mais il y en a quelques-uns, voilà, qui étaient pas là ou quoi. Bon, globalement, vous allez voir que c'est un JDR relativement simple, puisque le but, c'est pour les joueurs de vivre une aventure cool et pour le maître du jeu d'apprendre à devenir un maître du jeu. Donc les règles sont relativement simples. On a des jets de dés. Je ne vais pas toujours leur dire le score qu'il faut faire pour réussir. Ils vont juste faire des jets et je leur dirai oui, non, peut-être, des infos, pas des infos. Ils verront bien, c'est le principe du JDR. Et quand eux auront des actions possibles à faire, ils auront soit les quatre actions principales possibles, à savoir attaquer, se mettre à couvert, aider un autre joueur ou trouver un point faible. Ces quatre actions-là qui servent notamment pour les combats. Et toutes les autres actions sont votre imagination. Je faut pas se tromper de doigt. Je suis désolé, mais trouver le point faible, ça nous a fait perdre du temps. Eh bien parce que en vrai, vous n'avez pas sur le deuxième, su l'utiliser, évident, mais sur le deuxième, ça permettait de le one-shot. Son point faible, c'est sa nuque. Waouh, dans tous les cas, moi je vous ai trouvé la tête particulièrement mauvais sur ce fight. Non mais elle a parce raison. Quand le MJ vous dit, je n'étais pas là. Quand le MJ vous dit, oui, mais j'ai suivi. Quand le MJ vous dit, vous lui tirez dessus, vous avez touché avec un bon score. Ça lui fait quasiment rien. Normalement ça, hein, ça percute là-haut. Mais il pouvait le tuer avec des flingues. Hein. Attendez, mention spéciale à on parle au flic et tout machin, il est devant la porte. Ok, très bien. Toi, tu fais une réussite. Il y en a un qui fait une réussite quasiment critique sur le fait de persuader, etc. C'est moi ça. Qui est peu importe. Bon, écoutez. Ok. Il dit non, mais en fait, j'ai plus rien à vous dire. Vas-y, je m'enferme dedans. Ouais, le con, putain. Ok. Le MJ essaie de vous dire n'allez pas dedans, c'est bon, vous avez toutes les infos. Alors moi, j'essaie de crocheter. Il nous faut quelque chose pour crocheter la serrure. J'étais en mode, mais hey, les gars. C'était pas franc, quoi. C'était pas franc. C'est la faute de Max. Tu réussis ton jeu de persuasion, il s'enferme. Je vais tâcher d'être un meilleur MJ aujourd'hui et de leur donner des possibilités plus larges. On rappelle que Max Sildan, c'était sa première fois en tant que MJ. Il s'est pas trop mal débrouillé. Et d'ailleurs, il s'est fait donner des petits conseils de la part de Linkus aussi, je crois que tu avais. Tout à fait, je prends tous les conseils, ouais. Puisque mon but, c'est que vous vous amusiez le plus possible. Je tiens à dire un truc, moi, vous savez que j'aime bien, je suis un peu attaché aux règles, même s'il y en a assez peu finalement dans ce jeu, puisque le principe d'un jeu de rôle, c'est que tu fais un peu ce que tu veux, il y a quand même des règles. Et donc, je reprends Joseph Foussa, qui dans les commentaires YouTube a dit « Juste de petites remarques, les PJ sont épuisés lorsqu'ils subissent leur troisième blessure, donc peut-être qu'avant vous l'avez fait avec deux, donc c'était plus difficile pour vous à ce moment-là. Et lorsqu'ils font une croix, ils gagnent un jeton héros. » Alors ça c'est vrai, mais je voulais y venir petit à petit, on va y venir maintenant. On va y venir maintenant, des jetons héros. Dans la merde, quoi. Ouais, c'est plus rigolo. Vous allez découvrir les jetons héros évidemment aujourd'hui, si toutefois vous faites des jets de merde, mais ça arrivera. Si on fait une croix, peut-être. Ouais, les croix, c'est si tu fais des échecs. Quand vous faites des échecs critiques, et bien en échange de votre échec critique, vous avez un petit jeton qui vous permettra de faire de plus grosses réussites la prochaine fois. Et d'ailleurs, précision sur le point faible de la dernière fois, en fait c'est surtout parce que bien que vous ayez eu l'information de comment le tuer, en fait vous ne pouviez pas vraiment parce qu'aucun de vous n'avait assez de force physique. Il se trouve qu'aujourd'hui vous avez Rough Back, c'est vrai, qui est là pour vous aider. Ouais, alors par contre dans le chat on me dit mon point faible, ma boîte de vitesse, bon c'est peut-être encore un peu too soon. Hein. Jamais too soon. Bref, est-ce qu'on y va? Moi je suis tellement chaud. J'ai une petite demande, c'est que j'aimerais bien que tu nous relises précisément ce que la meuf a dit, le témoin. C'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Parce que c'est je bien. Sais que c'était pas forcément une information capitale, dans le sens où cette meuf aurait pu mourir et on aurait quand même pu finir le truc. Mais peut-être qu'on va tester quelque chose d'intéressant. Il y a une deuxième chose. Il y a fucking pas de problème. C'est qu'il faut que tu donnes son matériel à Rough. Je n'ai pas back. Besoin. Matos. Pas besoin. Si, quand même. Comme dirait un certain Chrono sur le stream il y a pas longtemps. Ouais. Ma meilleure arme. Mon corps. Ah oui, c'est vrai qu'il a dit ça. J'adore Chrono. On était en mode, mais du coup, qu'est-ce que tu manies mieux, le Nunchaku? C'est donc il sait bien. La meilleure arme, c'est mon corps. Ok. Et ben, je préfère me battre contre le corps de Chrono. Chrono back. Contre un cure-dent. Je rigole, oula. Ça pique alors, le cure-dent. En réalité, elle ne vous.
je n'ai pas d'informations sur ce qu'elle vous donne. En gros, elle ne vous parle pas directement, mais moi, d'accord, je peux vous donner des informations sur ce qui s'est dit, oui, voilà, dans la conversation. Donc, ce qui s'est dit globalement, c'est que la survivante que vous avez interrogée la semaine dernière, oui, dans l'hôpital, s'appelle Lisa, qu'elle a été séquestrée pendant plus d'un mois. Oh merde. Ça fait beaucoup. Son dossier médical indique l'administration de fortes doses d'amphétamine et d'une substance inconnue. Elle peut cependant décrire un homme venu trois fois parler brièvement à Monroe, et tu fais bien de me redemander ça, puisque c'est ce qui va me permettre de vous redonner un indice que vous m'aviez rendu la dernière fois, un indice dont vous aurez, eh bien, peut-être besoin aujourd'hui, qui est donc le portrait robot ici de l'homme qui est venu parler avec Monroe. Ah, ah oui, fait. Je vous le remets d'ailleurs pour ceux qui nous ont suivi. Il a un air patibulaire, mais presque... De toute façon, tu vas l'afficher. Je vais l'afficher maintenant, t'inquiète pas, regarde. Donc, hop, elle fait la blague dans il le est là déjà, dans la fin. Donc ça, c'est même pas Monroe, parce que Monroe, il est mort, c'est ça ? Monroe est mort, tout à et fait. Et présumé décédé. Il est, oui, présumé mort. Car en fait, Monroe, c'était moi depuis le début. Avec un coup derrière la tête, accident de voiture chelou, c'était bizarre ça. Contusion multiple. Ouais, c'était effectivement assez bizarre, on sait d'ailleurs pas si c'est vraiment lui. C'est passé. Mais il y avait un implant. Alors, on est... D'après les informations qu'on a, on est certain que c'est vraiment lui, ah, puisque la, d'accord, personne qui est morte était donc une autre personne, mais on s'est rendu compte que c'était un nom d'emprunt, mmh, et que derrière ce nom d'emprunt se cachait en fait Monroe. Donc on est, pour le moment, certain que c'est lui. Je vous, mais dis pour le moment, je ne sais, décédé, pas ce qui se passe après. Hein. C'est juste qu'on ne sait jamais, un retournement, un truc, quelque chose, une tromperie. Il n'a toujours pas donné son flingue. Je n'ai toujours pas donné son flingue à ma mère. Je ne lui ai toujours pas donné son flingue. Ça t'importe plus que moi. Ça m'importe. Eh bien, je vais te donner tes équipements. Tu arrêtes. Ton... Question, on a deux jetons de points de vie. Mais moi, j'ai un drone. Je peux pas avoir des petits jetons bleus ? Je vais vous donner des jetons, il n'y a pas de souci. On va se donner des petites infos, je vais démarrer le scénario tranquillement. Ouais, je suis pas stressé, il n'y a pas de souci. Merci à toi les OTV pour cet abonnement. Ruff, ouais, comme tu es parmi nous désormais, ouais, je peux, si tu le souhaites, effectivement te donner des jetons, si tu as besoin de compter tes munitions, tes armes, tes équipements ou autres. Justement, je vais te donner tes équipements. Tu vas commencer par choisir ta spécialisation. Tu as le choix entre force spéciale ou mercenaire. Spéciale. Ça ne donne pas forcément les mêmes attributs. Et derrière ça, je vais te donner effectivement ton équipement de départ et tu as, eh bien, ceci. Le... C'est quoi ça ? On va le montrer, vous inquiétez pas. C'est un manteau renforcé, donc je vais te le rendre. Non, tu vas me donner un truc. Non, tu vas... L'armure d'Iron Man. Non, tu vas fermer ta gueule. Donc Ruff va pouvoir avoir, ouais, ceci. Tu veux zoomer sur WAM ? C'est un slip de bain. Tu vas avoir du coup ce manteau... Non, je zoome pas, je fais ça avec les oui, images. Oui, mais t'es le meilleur, mec. On est bien. On a donc le manteau renforcé, plus un de réussite en survie. Voilà, qui est un test d'adresse. Mais attention, il a deux utilisations. Ça te permet aussi d'utiliser ce manteau pour... tanker des blessures. Ouais, comme mon drone médical, quoi. Par exemple. Tiens, tu veux des petits jetons ? On peut te faire survivre vraiment forever, quoi. Moi, je t'en suis... fais ce que tu veux, c'est jetons neutres. Forever Young. J'en mets deux pour moi et j'en mets deux pour Marie. Aussi. J'adore quand, voilà, tu me donnes des questions. Marie, t'as aucun jeton ? J'en ai pas besoin. J'en voulais. Moi, je prends des jetons de drone. Est-ce que. Tac, tac. Est-ce que quoi ? Je t'écoute. Tu vas sûrement le dire dans le scénario. Je vais probablement le dire, effectivement. J'arrive. Est-ce que tu peux quand même zoomer sur ma carte ou c'est chiant ? Tu veux. Laquelle ? Ma carte qui est là. De façon à ce que je vous lise. Parce que j'aime bien, en fait. En fait, je l'ai. Donc, c'est laquelle ? D'accord. Bon, bah alors. Bon, okay, d'accord. En fait, c'est chiant de zoomer. J'ai pas assez de lumière sur la carte. Dis-moi juste quelle carte. En fait, je vais les lire. Je suis pas obligé de zoomer, pardon. Abonnez-vous pour qu'il y ait plus de light la prochaine fois. Oui, c'est ça. On éclaire à la bougie, il faut le savoir. Force spéciale, c'était. Surentraîné et mortel, vous êtes une arme que les ennemis de votre pays n'aiment pas voir pointer sur eux. C'est super. Donc c'est cool. C'est et génial. L'autre est aussi bien en fait. C'est pour ça que j'hésite. Pas d'attache, une formation militaire, un compte en banque dans un paradis fiscal. Oui, voilà. Et le choix d'une cause valant la peine de se battre. L'argent, Rof. Bien, ça. Rof, qu'est-ce qu'on. Sur quoi on veut Rof partir oui. Les deux me filent de l'athlétisme. Il y en a un qui me file de la discrétion lors du combat. Et l'autre qui file de la survie et le pilotage. Donc j'ai l'impression que je vais faire mercenaire. J'aime bien le principe. Mercenaire, parce que ça me redonne du combat et que je suis là pour casser des chebous. Et que ça me donne un pilotage. Donc il y a peut-être un monde où je vais peut-être piloter. Ouais, mais survie, Zef, hein, on est d'accord, t'as déjà ton manteau. Et en plus, j'ai déjà mon manteau. Donc en fait, je vais clairement être un mercenaire. De la bagarre. Des forces spéciales, je vais garder. 10 000 un mercenaire, mon cher Maxildan. Fais des OP militaires. Et c'est comme ça qu'il fut renommé Rough Bagarre. Je suis. Rough Bagarre. Rough Bagarre. Je m'offre toujours au plus offrant, mais je fais une petite ristourne pour mon pays. Les États-Unis d'Amérique.
Non, je sais pas, on est où d'ailleurs ? On est aux États-Unis d'Amérique. On est où ? On est effectivement aux États-Unis d'Amérique. Et bah, ça tombe très bien, parce que dans ce genre de mindset, je crois qu'il vaut mieux être aux États-Unis d'Amérique, ça marche plutôt bien. Objectif, zéro otage tué, zéro homme à terre. Maintenant que je suis passé militaire, j'en ai un peu plus rien à foutre. Je veux juste casser des bouches. Je sais pas, ça sent le savon à la lavande d'un coup. Tu fais ce que tu m'as vraiment senti. Est-ce que c'est lui ? Mais c'est très bizarre. C'est pas moi. C'est parti. On est parti pour cet épisode 2. Puisqu'on a déjà fait l'épisode 0, l'épisode 1. Ouais. Il y a en tout 9 épisodes dans cette boîte. Et il va en sortir à peu près une tous les entre 3 et 6 mois. D'accord. Donc vous avez normalement de quoi faire. Un scénario est censé durer environ une trentaine de minutes. Ouais, évidemment, entre nous, ça va tirer un petit peu en longueur. Et puis moi, je vais faire exprès de prendre mon temps. Mais vous pouvez tout à fait, si vous êtes pressé, faire du JDR en 30 minutes à votre pause-déj. Et c'est ça qui est cool. On est parti. J'avoue avec les collègues. On a déjà fait donc le résumé de l'épisode précédent. Sachez que si vous aviez des cartes blessures sur vous, vous pouvez les enlever. Okay. Personne n'a de blessure. On est bon. Je viens d'arriver. Hein, ouais, toi, ça va. Je pensais plutôt à Marie qui avait pris un petit peu cher. Redis-moi, pardon, excuse-moi. T'as pas de carte blessure ? C'est moi, j'avais ça. Et voilà. Hop. J'étais dans ma tête. Non, moi, j'étais pas. Hein. Complètement dans ma tête. Oh, ça, c'est bon. J'ai ça, c'est bon. Mis des trucs de drone dans ma gueule. Je veux bien 2 points de santé aussi, mon cher Maxime. Tiens, parce que moi, ah bah, c'est pas des points de santé. Santé. Parce que santé, je m'appellerai Bastien. Bah, oui. C'est très bien. On lui redonne une munition. Moi, je m'appellerai toujours Ophelos. Ça ne changera rien. Ça ne changerait absolument rien. Nous sommes actuellement chez Monroe. Oh bah tiens. Oh non. Bah oui. Parce que on est allé voir que... pour peut-être un petit peu trouver des indices. En réalité, quand vous avez eu l'information, si vous vous souvenez bien, quand vous avez eu l'information que le docteur Monroe était mort, on vous a dit ok, on a fait des investigations chez lui, on a trouvé des trucs un petit peu chelous, dont une personne qui est maintenant à l'hôpital. Ah, elle vient de se réveiller, allez l'interroger. Donc vous êtes allé l'interroger, mais on est tous d'accord qu'on a quand même envie d'aller jeter un petit œil chez l'ami Monroe. Ah, et oui. C'est bien ce qu'on va faire pendant cet épisode 2. Okay. C'est parti. Non. Ça, c'est pas possible. Tout va bien. D'accord. C'est ça qui est absolument pas maniaque, cette personne. Est-ce que tu peux me passer 2 jetons rouges, s'il te plaît ? Je peux le faire. Voilà. Pourquoi tu veux ça ? Pour signifier mes points de vie. Oui. Tiens. Est-ce qu'on te rend les jetons bleus qui sont là ? Alors, les jetons bleus, en fait, c'est le dos des jetons. De l'autre côté des champs, vous avez des couleurs. Ah, j'en mets un là. Ah bah d'accord, en fait, les jetons... J'ai plein de jetons bleus, en fait. Tiens. Il fallait que je les retourne et c'était des jetons rouges. Pardon. Oh, mais non. Mais du coup, j'ai pu acheter... Pas ceux-là. C'est peut-être des violets que t'avais. C'est des violets. On s'en fout. On a nos points de santé, on a nos utilisations. Est-ce qu'on est sûr que Marie... Ouais, okay, ce qui est pratique, c'est que... D'ailleurs, c'est un truc qu'on n'a pas précisé à la fin de la dernière session. Le matériel, en fait, qui est dans cette boîte, permet tout à fait de créer vos propres scénarios créer des scénarios entre les scénarios. Vous faites ce que vous voulez et d'ailleurs des règles vous explique un petit peu comment faire pour vous mettre sur la piste de comment utiliser le matériel pour créer des trucs. Donc vous êtes le n'hésitez jeu. Pas. Et c'est pour ça que ces jetons sont neutres en fait. Phrase random. J'aime les jetons neutres. Vous êtes le jeu. Le maître du jeu. Vous êtes le maître du jeu et vous le êtes roi le jeu exactement. De la France. À l'aube, Jackson vous dépose devant la maison de Monroe dans un quartier résidentiel tranquille de Lawrence. Rien à signaler au rez-de-chaussée, ni à l'étage, mais la cave vous réserve une surprise. T'es toujours là-dedans qu'il se passe des choses bizarres. En général, quand on voit une... Ouais, la cave, c'est sordide. C'est là où on a retrouvé Lisa, donc... Exactement. Vous descendez un escalier raide. Vous voici dans l'antre d'un savant fou plongé dans une pénombre inquiétante. De minuscules cages puantes occupe tout un pan de mur. Un ordinateur sur le bureau métallique, des casiers remplis de dossiers, des rayonnages de livres et de revues scientifiques. Et derrière, un rideau en plastique, une salle d'opération effrayante. Oh, c'est pour toi ça. Tintin. Je vais aller sur les livres moi. Ça m'intéresse. Il n'y a pas de poster de film. Eh bien... T'es chiant. Est-ce qu'on est sûr que toutes les revues étaient scientifiques ou est-ce qu'il n'y avait pas? Je vais vous demander une petite chose. Que faites-vous ? Eh bien, on se casse de cette... Regardez bien. On va mettre la caméra sur moi, taisez-vous. Je vais parler seul et normalement, vous voyez un petit peu le dessin qui prend place. Alors là, comme je l'ai dit, peu d'éclairage, mais je vais vous les montrer. Voilà. Ça, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble.
Et vous, ça vous permet de voir un petit peu toujours ce qui se passe. Ça donne, en fait. Je propose qu'on fasse un jet de dés pour juste allumer la lumière. Tu veux ? Un jet de dés pour allumer la lumière ? En fait, j'ai l'impression que... Appuie sur le bouton. Hein. Que ouais. Quand il a appelé, quand il a appelé ça la pénombre, je pense que le premier mec qui est arrivé dans la salle, probablement moi d'ailleurs, puisque moi je vous rappelle que je passe toujours devant. C'est vrai. J'ai dû... allumer la lumière, c'est plus l'habitude. Et voir qu'en fait c'était une lumière un peu de pénombre et que du coup il y avait un néon qui se battait en duel et basta. Tu veux chercher s'il y a d'autres sources lumineuses, des trucs comme ça? Bah il veux... y a la torche sur l'iPad là, hein. C'est vrai, c'est vrai que ça a bien servi, c'est vrai, technique. C'est vrai. Le petit pendentif il était solide. Tu peux faire un jet de perception si tu veux, Marie. J'ai en plus j'ai une réussite en perception mentale. T'as fait combien? C'est un 0. T'as fait un 0. Je vous fais donc un plus 1. Hop, regardez. Elle a fait un petit zéro dégueulasse, voilà. Eh bien, t'as fait un zéro, tu as un plus 1. Effectivement, tu fouilles un petit peu les murs avec tes mains parce que tu n'y vois pas grand-chose. C'est poisseux. Et tu te rends compte qu'il n'y a pas d'autres interrupteurs. Effectivement, t'as une lampe un petit peu dégueulasse qui vibrote un peu, tu vois, comme tu peux l'imaginer dans certains films. T'auras pas mieux. Et puis, si je peux me permettre, en appuyant sur les livres, t'aurais pas trouvé beaucoup d'interrupteurs. Je pense qu'on va faire avec ce qu'on a et on va sortir... Dis de quoi il me parle, lui. Pardon, mais la meuf, elle a fait zéro, elle est comme ça. Je ne trouve pas l'interrupteur. On peut plus l'allumer. Je vais montrer un petit peu l'ambiance à ceux qui nous regardent pour qu'ils puissent comprendre où est-ce qu'on est. Ouais. Voici voilà, ouais, la partie. Oui, prenez-les. J'ai besoin de. Je suis désolée, mais l'ordinateur est allumé, ça fait une source lumineuse. Hein. Oui, mais ça reste de la pénombre. C'est, ça, déjà, moi, je vais l'éteindre parce que c'est pas écologique. Bah, ouais. Google. Voici du coup la partie gauche de cette pièce, voilà, et voici la partie droite. D'accord. Donc vous pouvez voir effectivement des trucs un petit peu dégueulasses, puisque on a cette table d'opération, il y a du sang partout, c'est dégueulasse, voilà, c'est un petit peu inquiétant. Tout ça, hein. Je vais demander de me rendre les images, parce que vous n'êtes pas non plus censé pour le moment les voir dans le détail, non, c'est pas grave. Sinon, en général, j'ai le droit de vous les passer. Là, pas trop. Donc, voilà, c'est à vous. Peut-être parce que c'est la pénombre et que du coup, on est en c'est mode. C'est exactement le principe. Patronyme. Je comprends. Du coup, il va falloir qu'on se split pour aller se. Qu'on se split. Après, on peut rester groupé. Hein. Oui, on n'est pas obligé. Après, c'est par labyrinthe. Donc, tranquille. On peut se banana. Mais effectivement, peut-être que chacun peut faire une petite action qu'il a envie de faire. Moi, j'ai envie de faire quelque chose directement tout de suite. Oui. Allumer la lumière. C'est. Je ne vois rien. J'ai eu vent, parce que donc en fait on ne se connaît pas, oui. Pas trop. J'ai été mandaté par l'agence, notamment par Jackson, parce que comment il a su lui trouver les mots pour dire que vous étiez naze. Donc je vais essayer de vous tirer vers le haut, d'accord ? Et je vais commencer par, si c'est possible, aller chercher dans les archives s'il y a le nom de la meuf que vous avez interrogée la dernière fois. Mm-hmm. Il est bon, hein ? Putain, donc... c'est ça qui nous manquait ? Ouais, un mec qui réfléchit pas. Je ne suis pas que des muscles. C'est peut-être ce qui vous manquait. Donc toi, ce que tu veux aller voir, du coup, c'est on est d'accord, l'étagère de livres. Tu as dit avec plein de dossiers, il y avait des choses comme ça qui. Ouais, il y a des dossiers. Tu as parlé de dossiers. Des dossiers, ouais, des livres, effectivement. Tu peux aller voir du coup l'étagère. Comment tu voulais qu'on le fasse la dernière fois parce qu'on n'a pas été dans la cave. Eh bien, c'est bien votre problème. Tu n'es pas là à ce moment-là. Moi, j'aimerais bien, si c'est possible, de faire une action en même temps. D'aller faire de même sur les documentations scientifiques, voir un peu ce qu'il a étudié, le docteur Monroe, okay. S'il était vraiment docteur, et quel... S'il était vraiment Monroe. S'il est... Ouais. En gros, ça en plus, toi qui t'y connais un petit peu dans le truc, tu pourras voir, tu sais que tu pourras upgrade. C'est où j'apprends des choses, il a fait des tests intéressants. C'est pas les Sims, c'est pas en lire un livre, on a un docteur. C'est dans le... C'est dans de l'autre côté de la pièce, où il y a des ouvrages scientifiques. Hein. Ah ça. Oui, ça. Non, c'est exactement moi, ça. De mon côté, je vais plutôt aller fouiller le bureau, l'ordinateur et okay. Chercher tout ce qu'il y a dessus. Et ben, on va commencer par aller effectivement du côté des documents, puisque vous allez tous les deux aller vers le même endroit, puisqu'en fait, c'est vraiment une grande étagère avec énormément de documents et de revues scientifiques. Depuis 5 minutes, vous êtes déjà amoureuse. Très bien. Du coup, vous commencez à mettre un petit peu le nez là-dedans. Alors, c'est vraiment une très grande étagère, il y a des tonnes de bouquins et tout est extrêmement bien ordonné. Ah c'est bon par couleur, par nom, par chiffre, par taille. Enfin, le mec est un maniaco-dépressif. C'est-à-dire que
On n'est pas très loin d'une Marie Palot, finalement. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. 1000 robots. On en a entendu parler. C'est une animatrice. Une influenceuse qui est morte à l'âge de 65 ans dans c'est des conditions très douteuses. Je vais te fumer la gueule. Tu feras gaffe, on est en 2035. Elle n'a pas encore cet âge-là. Bref, le mec est un malade mental et c'est vraiment extrêmement bien rangé. Alors tu vois, tu commences à regarder un petit peu les dossiers. Toi, pendant ce temps-là, tu regardes un peu les revues scientifiques. En fait, tu vas pas trouver grand-chose du côté des revues scientifiques de ton côté. Voilà. Parce que Science et Vie Junior. Parce que tu connais déjà tout. Parce que tu connais déjà tout. C'est ça. Mais... je le disais. Merci. On est en live. Hein, c'est pas une rediff. En fait, l'idée, c'est que c'est vraiment des revues extrêmement précises pour des gars qui sont des giga cracks dans des domaines très précis. Donc c'est vraiment des revues extrêmement spécialisées qui sont pas spécifiquement dans ton domaine. D'accord. Tu as continué à fouiller un petit peu ça, mais là en l'occurrence tu trouves rien de particulier parce que c'est vraiment des documents de travail, quoi. Okay. Rof, toi de ton côté, je vais te demander de faire un test d'investigation, mais comme Marie est venue avec toi, eh bien ce test va devenir un test collectif. Oh, vous allez donc pouvoir faire un test tous les deux et on verra bien si vous arrivez à trouver des informations. Bah ouais, parce que je vous avez plus de moi. Je pense que je suis dans les dossiers et que je dis Mireille, vous voyez bien, je peux tutoyer. Oui, tu vois bien qu'il y a tu vois bien qu'il y a rien dans ces revues. C'est vrai. Il y a pas un nichon. Tu vas venir avec moi et on va essayer d'éplucher les dossiers et je sens qu'on va faire une équipe exceptionnelle. Okay. Notamment parce que toi, tu sais lire. C'est vrai. Les amis, vous avez, est-ce que vous avez des bonus en investigation ou en mental? Mais non, Hélène avait tout. Moi j'avais tout. Ah, en mental, si. Ah, j'ai perception. Ah bah ça ouais, mais alors, non, en investigation. C'est une réussite en perception, mais par contre, non, mon personnage, c'est un truc mental. En fait, l'investigation est une compétence qui fait partie de la caractéristique mentale. Donc, si t'as juste la perception, ça te donne pas un bonus. Non, elle a juste le mental. Ah, t'as juste le mental. T'as plus un quand même. C'est bien, t'as plus un, c'est très très cool. Toi, t'as rien d'autre. Ah bah moi, les gars. Envoyez vos dés. Moi, casser des bouches à la base. Hein. Envoyez vos dés, on verra si vous trouvez quelque chose. Je m'attendais à ce qu'il y ait des zombies qui sont en train de découper quelque chose. Là, j'aurais servi à quelque chose. Et je fais 3. Oh. 3, c'est un très très bon jet. C'est un très beau film. Ça fait 4 quoi. Non. Non, je veux attendez. Ça, c'est son jet à lui. Eh ben, ça excusez-moi, fait des fois j'oublie de vous mettre le bail et après vous me détestez. Vous avez bien 3. On a eu un 3 pour Rough Back, ouais. On a eu un 2 pour Mireille. Vous avez plus 1, donc vous avez tous les deux fait 3. Ce sont des excellents jets de dés et effectivement vous allez réussir à trouver un article qui est entouré au crayon rouge et glissé dans une revue. Une couverture de magazine est griffonnée comme sous le coup de la colère avec les mots encore raté. Je crois qu'il est enculé. Encore, donc vous encore sentez raté. Qu'il est énervé sur quelque chose, mais voilà, vous avez trouvé que ça pour le moment sur cette étagère en tout cas. Ok, on regarde pas ce qui est entouré, on s'en. On a plus d'infos sur la revue en question. Ouais. Est-ce qu'il y a un nom par exemple qui apparaît? Est-ce qu'il y a une partie du corps qui apparaît? Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui apparaît? Je peux complètement vous donner une information. En fait, voilà ce que vous avez trouvé. Oui, ça nous va. Voilà. Donc, je vais vous le rendre parce que je ne sais pas lire. Je vous l'affiche. C'est quand même coquin en 2035. En fait, j'ai su. J'ai su. Mais comme ce n'était pas parti de mes points forts, j'ai oublié. J'ai vite oublié. On va demander à Mireille de lire l'article puisque pour les gens c'était un peu petit. Oui. Vas-y. Une dernière avancée mène le projet vers sa phase finale de théorisation pour, à terme, entrer dans une période de conception, voire d'expérimentation. Okay. Si le professeur Toganov se montre optimiste sur ce point, la communauté scientifique reste plus sceptique. L'interaction homme-machine soulève de nombreuses questions. Le procédé de remodelage du professeur Toganov, s'il offre des perspectives intéressantes face à des traumas massifs, devient inapplicable. Neuralink, Elon, on t'embrasse pas. Sans parler des questions éthiques liées à la recréation de l'apparence humaine, explique le docteur Hillary. Des craintes sans doute partagées, comme le montre cette rencontre entre le professeur et Matthew Conway, assisté de Charlotte Klein de la NSA. Il y a beaucoup de noms là. Je pense que c'est le moment où on prend une feuille. Tu as le droit, mais j'en ai pas. Je prends la boîte de Non, c'est vrai que je suis pas un mec avec du papier, moi, les gars. Mais il y a des mouchoirs. Il y a des feuilles, regardez. Ah, il y a des feuilles. C'est incroyable. Il y a des feuilles, vous avez des stylos, c'est super. Et si vous voulez des supports, eh bien regardez, ne bougez pas. Bah. J'aimerais bien que. Des feuilles là pour de vrai.
Est-ce qu'on peut ne pas prendre de support pour bien niquer ta table plutôt? Ouais, alors ce que je vous propose, c'est que l'un de vous soit le scribe, et comme ça, je vais vous donner... J'adore écrire. Attends, c'est moi qui décide. Je propose que ce soit toi qui fasse. Voilà. C'est regarde. Moi le chef de nous. Feuille à carreaux ou plutôt feuille vierge? T'es chiant. Voilà. Comme ça, t'as un support. T'es chiant. Feuille vierge. J'ai rien dit, hein, mais bon. Feuille vierge. Je suis chiant quand même, visiblement. T'es sûr que t'as pas une sorte de format BD? Ça peut être plus simple pour... Non, j'ai pas ça. Et en fait, je trouvais ça bien parce que Rof, c'est un... support qui appartient au jeu Critical. Et oui, du coup, on c'est va cool. pas prendre un autre jeu. Laisse-moi faire. Excusez-moi, je reviens. Regardez. Voilà. Corporate. Oui. C'est simple, ce support est exceptionnel. Et elle peut le déplier si besoin. Ah, mais on a fait un doctorat ici. Il n'y a pas de problème. C'est donc vous qui prendrez des notes. Et pas l'analyse. Est-ce qu'on a le nom du mec pour qui il se faisait passer et qui est donc mort? Oui. Tu l'as? Non. Que tu l'as. Ah bah, ouais, mais si vous l'avez oublié, les gars. Alors, considérons qu'ils l'ont noté quelque part dans leur tête, peut-être. Je l'ai noté sur ma tablette. Bah, c'est pas Toganov. Justement, je pense qu'il y a, à mon avis, il doit avoir un nom qui correspond. Alors évidemment, je l'ai plus en tête, donc je vais aller vous le chercher. Je vais vous le chercher. Matthew Conway. Non, ça me dit un peu. J'ai un petit doute sur ça, mon ami. J'ai un petit doute sur ça. Il est Mathieu. Sur ça. En gros, ce serait pas déconnant que le scientifique dont il parle, ce soit lui-même. Ça fait long comme nom quand même. Pas déconnant avant que ce soit lui-même. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, je maintiens cette théorie. Que vous en pensez? Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous voir alors que vous m'avez donné l'autorisation de vous tutoyer. Non, je l'ai techniquement pas donné. Mais... Je préfère qu'on reste dans des conditions professionnelles. Je vous ai vu tenter un rapprochement tout à l'heure. Je préfère qu'on reste pour le moment collègue. Et après, on verra ce que je ferai de vous. Pour le moment... Il est énervé. Est-ce que vous pouvez noter tous les noms qu'il y a sur cette feuille avec leur rôle, s'il vous plaît. Donc j'ai l'info. Son nom d'emprunt, avant qu'on découvre que c'était bien vu, c'était John Mills. John Mills n'a, je crois, rien à voir avec ce qu'on a dit. Exactement. Mais après, est-ce que... Je pense qu'un homme qui vole un œuf peut voler un bœuf. C'est-à-dire qu'un homme qui a un faux nom peut en on avoir peut tromper plusieurs. Une fois, 1000 personnes. C'est pourquoi je voudrais, alors je ne sais pas si du coup lui il est physiquement avec nous. Pas alors pas tout de suite. On va d'ailleurs aller de son côté puisque toi tu m'avais demandé de fouiller quoi, excuse-moi il me semble. Moi j'étais plutôt sur le bureau, l'ordinateur, bureau. Tout ce qui est... Alors choisis. Tout ce qui est bureaucratie. Choisis. Ah bah écoute, moi déjà je voudrais regarder... Dis-moi exactement ce que tu fais. Déjà je me mets devant le bureau et j'observe. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition? Tu observes un petit peu... la même chose que nos amis, c'est-à-dire que bah, voilà, tu vois vraiment un bureau qui est hyper bien rangé, t'as rien qui dépasse au millimètre, le stylo il est posé dans la rainure du bois, machin, c'est hyper, c'est vraiment au poil de fion, tu vois encore que le mec est un gigantesque malade, et là, tu te penches un peu et je tousse. Tu vois qu'il y a un tiroir en dessous, mais le tiroir est fermé à clé. Le bureau, il n'y a rien dessus. Il y a okay, deux stylos, il n'y a pas de feuilles, rien. Il y a un tiroir, mais il est fermé à clé. Ok. Et il y a un ordinateur ou il n'y a pas d'ordinateur? Il y a un ordinateur. Est-ce qu'il est allumé? L'ordinateur est allumé. Je peux fouiller dessus? Tu peux fouiller dessus, effectivement. Je vais te demander un test individuel de connaissance. Tu connais en connaissance, toi? J'ai plus un en connaissance et non. J'imagine que ça fait partie du mental. Oh, pardon. Vas-y, je vais enlever l'image et on va regarder ton G. Connaissance, c'est mental ou c'est... Connaissance, c'est mental, donc tout je à fait. Plus un. Tu as plus un. Et tu me fais deux. Un petit 2. Un plus un, il y a le 11. J'ai la rêve. Alors, tu commences à te poser derrière le PC, tu commences à checker un petit peu. Évidemment, tu vois qu'il y a un système de sécurité. Et alors que tu commences à essayer de bypass la sécurité, voilà. Ça te sort complètement en fait de l'interface sur laquelle t'étais. Le PC commence à chauffer de plus en plus vite. Tu commences à entendre les ventilos qui et là littéralement il y a une sécurité intégrée qui met le feu à l'appareil. Donc juste le PC explose devant toi. En quelques secondes, l'appareil disparaît en fumée, les disques durs brûlent. Il y a juste plus rien à en tirer. Ok, je peux sortir à ce moment-là et faire « Ça va, vous vous en sortez ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» J'ai tout cassé. Mais je tease le feu de l'ordinateur pour faire cramer le truc et que ça ouvre la serrure.
Ah, tu prends le PC enflammé, tu te mets sur la serrure. Franchement, c'est en bois. C'est pas en bois. C'est, en fait, c'est un. Le, merci j'ai Marie. Dit du bois tout à l'heure, mais en réalité, on est dans un laboratoire médical. Le bureau, il est. C'est du métal. Ok, bon, ça marchera pas quoi. Ça va juste peut-être pas forcément niquer. La blague était drôle. J'aurais pu te laisser tenter un. Je sais même pas quel test j'aurais pu te faire faire là, franchement. Test de conneries. Un savoir-faire. Un test de savoir-faire. Et je pense que c'était un test à 12, gros, sur des D3. J'avais de la réussite, moi, sur le savoir-faire. Non, mais c'était une vanne, ça serait pas passé. Messieurs. Hélène, tu as donc grillé, effectivement, le PC. Hélène, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, j'ai l'impression qu'avec mon binôme, on a fait du bon travail. On a bien avancé. On se retourne, on voit de la fumée du feu. Alors, regarde, je vous explique. Le BIOS, c'était pas le jour. On est sur un Windows 7, on est en 2035, c'est n'importe quoi. Vous avez laissé la commande de hack Alt plus F4. Exactement, j'ai fait. Contrôle Alt Sup déjà pour commencer. Ça c'est la version un peu. J'ai cliqué sur gestionnaire des tâches. Waouh. Et là, c'est parti en cacahuète. Est-ce que vous avez... Malheureusement, j'ai essayé d'outrepasser le système de sécurité qui a été mis en place grâce à un brute force, bien évidemment. Et qui requiert qui oula. Oui. Qui rationnait quoi exactement. Oh, hey, restez gentil avec Mireille, c'est pas son métier, ouais, c'est d'accord. Scientifique. qui demandait quoi en fait. Attends, il me fallait un simple mot de passe. Du coup, moi, comme je n'avais pas ce mot de passe, qui j'ai connecté. Requirait. Non. Parce non. que c'est une ration et que ça se mange. Qui avait besoin. Quel était le mot de passe requis. Qui nécessitait. Ouais. Donc, il y avait le mot de passe requis, je ne le connaissais pas. Donc, j'ai branché ma tablette et j'ai tenté un brute force sur le mot de passe. On aurait pu tenter le mot de passe, quoi. Bah, j'ai tenté parce que c'est le concept du brute force. C'était Toganov. Avez-vous essayé le mot de passe 1, 2, 3, 4 ? J'ai testé. AZERTY. Il paraît AZERTY. Que les deux plus mots de passe les plus utilisés en ce moment, c'est quoi déjà ? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 0, 0, 0. Il y a Marseille aussi. Ça m'a fait rigoler. Quoi, Marseille ? C'est maman, Marseille. Enfin, ça, il y a ouais. des mots. C'est rigolo. J'ai essayé donc Marseille. D'accord. Mais comme nous étions en États-Unis d'Amérique, ça n'a pas fonctionné. Los Angeles, c'était mieux. Ok, merci en tout cas, on vous rappellera mais pour vos services. Vous savez du coup. Du coup, on peut notifier qu'ils ont des systèmes de sécurité hardware, puisque l'ordinateur a brûlé. Quand vous dites il au pluriel, est-ce que vous savez quelque chose que j'ignore? Eh bien, parce que cette personne était deux personnes à la fois. Donc il faut parler au pluriel. Combien êtes-vous de personnes? Vous égarez. On s'égare. Ma question est la suivante, avez-vous trouvé une clé? Parce qu'il y a une serrure, et on sait que chaque serrure. Et ouvre quelque chose. Sommes-nous pas dans un escape game actuellement? C'est incroyable. La porte s'est refermée, on a une question, on a un portrait robot. Ah, ça, c'est et on peut utiliser pour ouvrir la serrure, ouais, vas-y. Non, mais on a des archives extrêmement bien détaillées, documentées. Est-ce qu'on ne chercherait pas dans les fichiers quelqu'un qui ressemble à ça? Je trouve ça loin d'être con. Pendant que vous allez faire ces recherches-là, je m'occupe de ce tiroir. Est-ce que. Alors, rappelle-moi le truc du tiroir. Enfin, le tiroir, il est comment? Vous avez un tiroir en métal qui est. Tu sens que le gars est un malade. Hein, donc, il a fait vraiment très attention à sécuriser ses données. Tu vois que sur le PC a pris feu dès que tu as essayé d'y toucher. Tu devines que. Faudrait peut-être pas la forcer. C'est pas en soufflant sur le tiroir qu'il va s'ouvrir. Peut-être que si tu forces, il va y avoir de l'encre qui va tomber sur tous les documents. Et qui va tout autodétruire. Par contre, je te prends avec moi, Hélène, en tout bien, tout honneur. Parce que t'as fait de la merde avec l'ordi et que surtout tu vas m'aider en investigation. D'accord. T'es une genre plutôt investigué que. Moi, je suis un investigateur. D'accord. Ouais. De père et en fils. Et si on doit aller chercher dans des trucs, on sera pas trop de deux avec nos. Plus finaline de tiroir. Nos réussites, qu'est-ce qu'il raconte? C'était. On lance. Il y a des mecs dans le chat qui avaient exactement la même vanne. Merde, non, mais c'est pour ça, c'est ce que. Ah, on... Heureusement que ça n'a pas été vu. Tu me proposes un jet de quoi là? Depuis quand tu décides des jets? Je sais pas. Ça n'existe pas ça. Il n'y a aucun JDR où le joueur fait tiens, je fais un jet de perception, ta race. Hop. Mais non, ça marche pas ça. Ça reste quand même moins culotté que la fois dernière où elle a quand même dit. Le PNJ fait ça. Le PNJ fait ça. Comment tu fais ça? Je fais ça. Oh, allô, j'étais en folie. J'étais en folie. Vas-y, redis-moi, qu'est-ce que tu veux faire? Décris-moi ce que tu fais. On a un portrait robot et on voudrait. On voudrait chercher. Chercher d'accord. Si cette personne est dans les fichiers. Ouais, tu cherches sur quoi? C'est des documents dans l'étagère. Bah dans les documents, dans les archives quoi. Les d'accord, archives. Ah oui, ok, dans les archives. Ok, pas de problème. On doit faire un jet de déplacement. Non, je vais vous demander un jet d'investigation s'il vous plaît. C'est trop bien parce qu'on est ensemble et c'est collectif. Vas-y, je t'en prie. Vous ne trouverez rien sur cet homme. Oh, j'ai plus 2, ce qui nous fait 5. Oh là là. C'est vraiment pas dégueu. Du coup, vous commencez vraiment à fouiller tous les deux. J'ai fait un 3 l'ensemble. Tu peux essayer, mais tu feras pas mieux que 5.
Voilà, c'est un... Ça ne s'additionne pas ? Je ne voulais pas montrer, mais c'était quand même des beaux GD. Ça ne s'additionne pas, le but des G collectifs, c'est qu'il y en ait au moins un qui fasse quelque chose de correct. Tu as fait 5, super G. Vous commencez du coup à checker un petit peu tous les documents. Ouais. Et en fait, déjà, il n'y a pas beaucoup de documents sur lesquels il y a énormément d'images. Le mec est un scientifique, il y a des maths, des lignes, des équations. Il n'y a pas de dessin. Voilà. Il n'y a pas des masses de dessin. Et surtout, vous ne trouvez aucun document qui relate une quelconque information sur ce personnage. Et on ne trouve rien d'intéressant en ayant double-checké tout ça. Quoi. J'ai niqué mon 3%. Je crois que la chose intéressante... Pas pour le moment, en tout cas. La chose intéressante, nous l'avons déjà trouvée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette putain de serrure. Après, est-ce que tu peux me la décrire ? Est-ce que c'est une serrure à code ou est-ce que c'est une serrure on met une random clé dans un truc ? Je peux te donner l'info, c'est une serrure à clé. À clé, mais quel type de clé ? Est-ce qu'on est plutôt sur une clé un peu ancienne, une serrure un peu ancienne ? Est-ce que c'est un vieux bureau ? Ou est-ce que c'est un truc un petit peu moderne ? Une petite clé de merde. C'est une petite clé de merde, bien. Où est-ce qu'un serial killer ? Non, un psychopathe. cacherait une clé ? Petite, plutôt ? Elle est assez hormis petite, ouais ? Dans son anus. Je propose qu'on aille voir à la morgue avec un N majuscule son anus bien sûr. Tu peux déjà regarder sous le bureau et non, moi j'ai envie passe sous le bureau. Moi j'ai envie de dire un truc qui me paraît évident, c'est que si jamais j'ai chez moi un coffre à clé, la clé n'est pas à côté du coffre. Donc je pense que les réponses sont ailleurs. Je pense que c'est Lisa, il a dû la coudre à l'intérieur du bide. Moi, j'aimerais bien... Crochette-la ? Moi, j'aimerais bien... Est-ce que c'est possible d'appeler la personne... Oui, d'appeler directement... Allô ? Mais comment ça ? Tu es censé être mort ! Est-ce qu'on peut appeler la personne qui a récupéré le corps, ou en tout cas son responsable, voilà, pour savoir s'il n'avait pas des objets sur lui ? Il y aura peut-être un trousseau clé, il y aura peut-être, je ne sais pas, pas forcément dans ses orifices, mais en tout cas, il a peut-être sur lui la clé en question. Il est bon, hein ? Il n'y a pas de problème, vas-y, passe ton coup de fil à la morgue. Allô, Jackson ? Il n'y a pas de souci, je t'écoute. Jackson. Allô, j'ai fait un numéro au pif, je tombe sur la morgue, c'est magnifique. Si tu veux, on va considérer que tous les mecs s'appellent Jackson. Du coup, oui, parce que de base, je m'appelle Jackson en fait. Ça, c'est trop bien, pardon. Ouais, quand j'appelle Jackson, ouais. Il est le métier que je souhaite. Exactement. Puisque en fait, on considère qu'éventuellement, le bon a. J'ai pas du tout envie d'inventer un personnage pour chacune de tes idées farfelues. C'est parfait. Allô, Jackson, vous qui êtes responsable de tout sur cette terre. Ouais, je suis là, mon pote. J'aimerais savoir qu'est-ce que l'univers ? Alors. On s'est posé la question. Je trouve que 42, c'est pas mal. Mais en vrai, qu'est-ce que tu veux ? Bien, je voudrais savoir si la personne que vous avez récupérée morte, qui soi-disant est donc, le docteur Monroe ouais. Bon bref, j'ai des billets de... possédait sur lui, par hasard, si vous avez cherché dans son manteau, si vous avez cherché dans ses orifices... Excuse-moi, je t'entends plus trop. J'ai l'impression que t'as pas le téléphone... Une clé. Voilà, merci. Une clé. Non, j'ai pas de clé. T'as pas de trousseau ? Je cherche un peu mieux, Jackson. Jackson, est-ce que tu aurais pas, par hasard... Il t'entend plus. Jackson. Ouais, attends, je vérifie. Bah, tu sais, c'est en sous-sol, les morgues, hein, donc ça capte mal. Jackson, non, j'ai rien sur lui ? Non, j'ai rien du tout. J'ai pas de clé. On a retrouvé des trucs, des puces, des machins. On en a déjà parlé ensemble, mais j'ai pas de clé. Hein. D'accord. Il y avait pas de clé sur lui ? Non. Merci beaucoup. Salut ! À très bientôt. Et attends. Oui. On se fait une bouffe ? Bah, quand tu veux, mec. Allez. Là, il se trouve que j'ai pas trop... Parce que je cherche quand même quelqu'un qui est potentiellement très dangereux. T'entends plus ? Oui. Mais quand mon travail est... Allô ? Allô ? Oui, mais ça capte mal, hein. Pardon, excuse-moi. C'est fou, hein. Gros bisous. Oui. Le bonjour à ta femme. On s'adore. Big up. Il faudrait qu'on passe à la clétrie. C'est des clés qui vont bien avec. C'est quoi, cette équipe ? Moi, je suis quand même assez pour la descente de coude sur le... Parce qu'après tout, c'est un petit tiroir en bois de merde. J'apprécie. Non mais il y a un moment, c'est tu bon es quelqu'un quoi. De très adroit. Non, et du coup, ça... tu vas pouvoir. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Alors, ton adroititude te permet d'ouvrir. Je propose. Vas-y. Avant ça, on fouille. Qu'on se sépare dans la maison et que chacun fouille un étage. On se prend au et qu'on utilise quelque chose de bien pratique qui s'appelle l'ellipse. Parce qu'on va pas passer 1000 ans dans les trucs, d'accord ? Donc est-ce qu'on peut peut-être d'abord fouiller ? Attends, on peut décider de ça, on peut pas décider ce que dit le PNJ. J'étais à deux doigts de lui dire ta gueule, y a pas de problème. Mais vas-y. Il a le droit, et ça, c'est tous votre droit, de faire des suggestions. Je tente, je t'écoute. Moi, c'est toujours sous forme de question. Alors que toi, c'était un peu péremptoire. Je propose que nous fouillions
chacun un étage, parce qu'il a peut-être pu le poser sur sa table de chevet, il a peut-être pu le poser dans ses clés qui sont dans son manteau. On va pas faire toutes les pièces, c'est pour ça que il y en a que deux. On est dans la concis. Non, mais il y avait trois étages. Enfin, il y avait un étage, le rez-de-chaussée et la cave. Si j'ai bien... c'est exactement ce qu'il y avait. J'ai suivi le brief. C'était ça. Je suis très bon en suivage de brief. Donc, je propose, comme on est trois, qu'il y a trois étages, chacun fait ses petites investigations et on se retrouve là dans 15 minutes. C'est possible ? C'est possible. Oui, oui, c'est possible. Ah, ça ne sait être. Est-ce qu'on peut faire tout de même un truc groupé ou est-ce que chacun fait son étage ? Non, je vous propose effectivement de faire un test groupé d'investigation. Ça me va très bien. Ouais, j'ai bien compris. Je suis pas là pour vous emmerder. T'as un bonus, hein ? Faites-moi un petit test d'investigation. On va voir ce que vous trouvez. Je fais 1. Je fais 3 plus 2, 5. Oh, mais dis donc. Chaud en invest. Je fais 2. Et tu fais 2. J'oublie toujours de vous montrer ce putain de jeu dé, mais on vous dit léger. Donc oui. Ça ira. Quand il y aura des combats, on essaiera de montrer un petit peu plus, ce sera un peu plus précis. S'il y a des combats. Toujours est-il que là, vous avez effectivement fait vos jets. On a quand même un qui a fait un 5 et tout. Alors, vous étiez où chacun ? Qui était à quel étage ? Bah, c'est bien ma question. Hein. Moi, je suis resté... Je propose... J'ai 37 ans, moi, je suis resté dans la cave. Nous ne faisions pas de double check, mais du triple check. En gros... On se fait toute la baraque, tous les trois, et on démonte tous les meubles. Ah bah on a dit qu'on y passait pas 1000 ans là. Oui, mais on peut très bien passer l'un derrière l'autre. Moi je propose de commencer à détruire tous les meubles. Toi c'est quoi déjà ton, c'est quoi ton skill à toi ? L'adresse, savoir-faire, hein, survie. Je suis là. Ouais. On toi, dit que je suis au rez-de-chaussée. C'est tout ce qui est investigation. Toi, tu m'intéresses plus, toi. Toi, c'est tout ce qui est investigation. Ok, moi je vais essayer en fait de casser tout ce qui est partie mobile, d'accord ? D'accord. Donc je veux retourner la baraque. Ouais. Okay. Et pendant que je fais ça, il y a lui qui investigue. Exactement. Il y a elle qui investigue. Rappelle-moi ton skill. Qui savoir faire. Qui sait faire. Ok, d'accord. Ça me paraît et en fait, on y va tous les trois et on fait comme ça et on tourne et on, okay, on retourne. Ok, ok, ok. Donc vous retournez la baraque et vous essayez absolument de trouver cette foutue clé. Alors, ce qui est sûr, c'est que en fait, il y a déjà des flics qui ont absolument. Ouais, mais en plus, oui. Vider le rez-de-chaussée et l'étage. Ouais. Donc, au rez-de-chaussée, à l'étage, vous trouvez vraiment absolument rien. Alors, évidemment, en vous baladant au sous-sol, vous continuez à repérer des trucs un peu chelous. Hein. On a déjà décrit un peu la pièce, il y a encore plein de choses à y voir. Mais en tout cas, vous n'avez pas trouvé grand-chose. Mais, Hélène, en fouillant bien partout, se penche et sous le bureau. Hélène. Et qu'est-ce qu'elle trouve sous le bureau ? Tu es coincée, Hélène. Une clé scotchée. Oh, mais sans déconner, mais qui fait ça ? Il avait raison dès le départ. Non ! Il avait raison dès le départ. Effectivement, elle était scotchée sous le bureau. Ce qui te permet... Eh bien, j'imagine que tu ouvres ce tiroir. Je fais comme ça. Tu ouvres le tiroir. Et comme tu ouvres le tiroir, eh bien... Toc ! Bien joué, Hélène. Tu vas obtenir des petites choses. Tu vas obtenir... J'ai un calepin. Et tu y trouves aussi une cassette audio. Ah. Genre à l'ancienne. C'est un truc à l'ancienne. Qu'on est plus du tout. Une cassette de dictaphone. Donc je vais te donner en fait ceci. Regarde, hop, tu vas voir. Le petit calepin. Voilà. Comment on appelle ? Et la cassette. La cassette qui est ici. Cassette. Tac, tac, tac. C'est beau les éléments. Cassette, il y a des petites choses dedans. Comme comment ça, tu est-ce qu'on appelle une personne atteinte de nanisme avec une baguette ? Un petit calepin ? Calepin. C'était la dernière mission. Oh, c'est dommage. Moi, le petit calepin, je le valide. Petit calepin, il est OK, il est OK. Je vous montre, évidemment, ce qu'on a sur ce calepin. Alors, je lis ? Ouais, tu peux le lire, si tu veux. Encore un cobaye inapproprié. Doit retourner à la ferme. Marre de ses incompétents. Danny va m'entendre. Danny. Besoin de réapprovisionnement. Ne pas oublier de recharger la puce. Demandez à monsieur... Nouveau crédit, / besoin de matériel, / autorisation de nouvelle visite à Rain City, la ville de la pluie. Prochaine tentative, espacer les doses de X5191C, augmenter les anti-rejets. Ça a à voir avec cette substance grise à mon avis. Peut-être ne marque pas Monsieur Nouveau, mais peut-être marque plutôt M. Parce qu'en fait... Vas-y, tu peux remettre la carte. C'est pas Monsieur Nouveau. Il me semble que c'est pas du tout Monsieur Nouveau. Mais non, c'est pas Monsieur Nouveau. C'est demander à Monsieur Nouveau Crédit. Ah, ok, d'accord. Je crois que t'avais dit Monsieur Nouveau. Ah, j'ai peut-être dit un petit peu trop vite. c'est pas Monsieur Nouveau. Il y a un certain M. Est-ce que la scientifique. M, c'est pas Monsieur en fait. Hein. Ça peut être Matthew, de Matthew Conway. C'est Monsieur. C'est pas ce que j'ai dit, mais. Matthew.
Il y a aucun souci. Ah, ça peut être. C'est M. Est-ce que dans la revue là en question, il y avait il y a un nom qui commençait par un M? Michel. Mathieu. Mathieu. De la NSA. De la NSA. Mathieu Vu. Hein, il est très Mathieu Vu lui. Hein. C'est ça. donc le M en question, il y a un bail de crédit, c'est ça? Mm-hmm. Moriarty, exactement. Okay, c'est pas moi, c'est le chat. Là. Reste concentré sur ma voix, Marie. sur ma voix. Pour le moment, vous êtes toujours dans la maison de Monsieur John Mills, aka Dr. Monroe. Oh. Vous avez trouvé du coup cette cassette. Vous avez trouvé un article. Vous avez trouvé ici un petit calepin avec des informations. Attendez. Mills comme. Comme Mireille. M comme Mills, M comme Monroe, donc je sais pas. Hein, il s'appelle M. Non mais si c'est lui-même. Oui. Alors, c'est vrai que c'est bizarre. Soit il y a un trick qu'on n'a pas. Il a un problème. Non, soit mais... si on prend le truc un peu premier degré, eh bien M, ça fait peut-être référence à tout sauf lui en fait. Puisque... Oui, mais attendez, peut-être que c'est parce que le professeur Toganov, souvenez-vous dans l'article, c'est un scientifique décrié par la communauté scientifique, transhumaniste qui croit profondément aux expérimentations sur les humains. Pour les améliorer, pour les recréer. Docteur Hillary a dit non, c'est de la merde. Oui. Matthew Conway et Charles Klein de la NSA étaient en mode c'est gênant. Donc au final. Oui. Bah, parce que... John Mills, c'est peut-être le monsieur qui donnait le laboratoire au professeur Toganov pour faire ses petites expérimentations et que de temps en temps il réapprovisionnait les caisses pour avoir du matos. Ouais, moi, je m'étais même dit que c'était la seule même personne. Mais moi, je vous propose. Est-ce que je peux avoir le calepin? Et cette cassette-là, est-ce qu'il y a dans, cette, dans ce... M comme Mireille, commencez pas. Dans ce sous-sol, est-ce qu'il y a de quoi l'écouter par hasard? Si on fouille un petit peu dans ses affaires, si toi, tu fouilles, toi qui n'es pas mauvais pour trouver des clés cachées dans un bureau... Je vous propose un jet d'investigation. Moi, je vous propose que de toute façon, le M, on saura plus tard. Je vais chercher un castier pour pouvoir... Castier, pour lire les cassettes. Ouais, je l'ai. C'est un grand arbre. Je comprends. Vas-y, fais-moi un jet d'investigation. Oh non. 3 oh Je trouve même le DVD tiers. C'est incroyable. T'es très solide sur les jets d'investigation. On et pourtant, 3, hein. Tu ne trouves absolument rien dans cette maison qui te permet de lire cette cassette. Bon, on l'envoie à Jackson. Mais j'ai pas besoin d'en lire 7, hein. Moi, une seule me suffit. Hein. Attends. Tu recherches encore mieux. fouille, putain. Si, il y a marqué premier et deuxième. J'imagine. Oh, j'en sais rien. J'imagine qu'il y en a un qu'il faut écouter en premier et l'autre en deuxième. Je vous invite. Tu nous invites ? Peut-être à rejeter un œil sur les images. Il y a plein de trucs qu'on va faire encore. Ah bah je sais. Donc l'ordinateur a cramé. Il y a un truc. C'est juste pour vous. Bah, y a quand même pour un vous truc, permettre de clarifier vos idées. Il y a un truc qu'on n'a pas checké qui était le truc le plus dégueulasse. C'est quand même là où se passaient toutes les opérations. Oui, c'est là. Le labo, et puis le sac, là. Et puis, les tiroirs, sous les archives, on les a pas checkés. Hein. Et les câbles HDMI, est-ce qu'ils sont plaqués hors? Je crois que ouais, c'était des high speed. Ok, parfait. Ok, vous savez ce que je pense? Hein? Je pense que cette cassette ne va nulle part. C'est juste un truc pour déchiffrer un code. Il y a en fait des flèches qui sont sur les trous. Il y a marqué First Second ici. À mon avis, on doit la placer quelque part pour trouver un code. Remonte-moi ça. Genre, on a deux chiffres. Tintin. Il se trouve que j'ai fait peut-être des escape games. 2 x 22,5 cm. Comment ça, il y a des trous? Donne-moi ça. Bah... Ouais. T'as déjà vu une femme. Bah, c'est pareil. Et donc, c'est first, second. J'en suis une en plus. Parce que si tu te trompes... Bah, c'est vrai. Je prends... Il y a des flashs là-dessus, là. Il est pas con. Par contre, où les foutres, est-ce que tu as par hasard le. J'ai pas compris ce que tu regardes. La revue, là. Juste derrière la tour AD. Il a raison, il y a des flèches qui ont été faites au stylo. Un peu comme sur la revue, un peu vénère, quoi. Ça, ce qui peut être cool, c'est que ça, pour le coup, moi, je l'ai pas en image. Posez-le là où il y a les dés, et je vais aller faire un petit zoom pour montrer un peu aux gens de quoi vous parlez. Moi, je comprends pas de quoi tu parles. La cassette. Les flèches. Pose-le là et je vais aller zoomer dessus. Ça a été faux stylo en mode. En fait, on est d'accord qu'on est en 2035 et que des lecteurs de cassettes, il y en a plus de façon depuis des années. Tout le monde s'en fout. Et en fait, vraiment, ce principe de je fais des grosses flèches, il y a des trous, il y a marqué first et second, pour moi, c'est évident que c'est un code. Alors après. Attends, mais il y a des trous, c'est normal, c'est une cassette. Oui, mais enfin,
En gros, okay, pour moi, je pense que c'est un truc comme ça, genre. Tu vas te balader sur un machin et ça te dit ah ça et ça du coup on sait. Mais je. Après il y a une flash qui va de la seconde à la une. Hein. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, une sorte petite de petite flèche, flèche de flèche comme ça là. Bah ouais. Donc en fait, ça serait d'abord second puis first. Ouais. Peut-être. On va chérifier. Bizarre du coup de dire first et second. Chérifissons. Est-ce que ce sac, il est là encore? Ce sac, il est oui, il est là. Il y a quoi dedans? Eh bah tu ouvres le sac et c'est un sac vide. Ah. Ah non. Est-ce que moi je peux aller je peux aller regarder du côté du sang frais là dans le labo, il y a quand même pas mal de tiroirs. Ouais. Et en plus, bah, comme j'ai du savoir-faire, je peux les ouvrir. Il n'y a pas besoin de clé, quoi. Eh ben, écoute, on va aller faire ça. Mais par contre, c'est pas toi qui décides de si tu peux les ouvrir ou pas, hein, comme d'habitude. Mais donc, tu vas fouiller la salle d'opération. Ouais, ouais, allez, je fais mais un jet. Je viens avec elle, parce que alors, moi, je suis très fort. Hein. Stimulation. T'y trouves des traces de sang séchées sur le sol et les murs. Ouais. T'as des flacons d'anesthésiant un petit peu partout, d'anesthésie, ouais, pardon. T'as des instruments de chirurgie, des trucs de précision, tout est bien rangé, etc. Il y a une poubelle. En plein milieu, t'as plein de compresses, pleines de sang. Enfin, vraiment, c'est dégueulasse. Il y a une puce électronique qui est cassée en deux avec un morceau de chair accroché. Ah, là, au niveau de la poubelle. Ouais, bah oui, parce que quand ça marche pas, ils les enlèvent. Et soit ils sont morts, soit il y en a d'autres. Encore raté, encore un cobaye inapproprié. Donc du rejet, beaucoup de rejet. Moi, j'ai envie de fouiller cette poubelle. Vas-y. Je mets mes petits gants d'investigateur. Et je regarde la poubelle. Ok, vas-y. Fouille la poubelle, je veux un. Je vais prendre un jet de. un jet de savoir-faire. De savoir-faire. Ah bah moi je sais hein. Mmh. Ouais mais non c'est lui qui fouille la poubelle donc. Mais on est ensemble. Et c'est quoi savoir-faire? C'est la poubelle. En adresse. C'est de l'adresse effectivement le savoir-faire. Okay. Je ne sais plus où j'habite. Vas-y. Évidemment j'ai fait un. Ah excuse. Attends. C'est ma faute. C'est ma grande faute. C'est ma toute grande faute. Regarde. Boum. C'est bon. Tu as fait un? Oui. Tu te balades un petit peu les mains dans la poubelle au milieu des compresses. Tu te rends compte qu'il y a aussi des petites lames usées, des seringues. Heureusement, t'arrives à pas trop te piquer avec, ça va. Mais tu te dis, je vais peut-être t'enlever mes mains de là-dedans, c'est dégueulasse. Mais tu trouves rien de spécial. Pas besoin que je repasse derrière. Quoi. Je vais chercher jusqu'au bout quand même. Hein. Je pense que t'as mal cherché. Parce que franchement, ça avait l'air d'avoir le tétanos là, du crâne rasé. J'y vais quand même. Ok, vas-y. Savoir-faire, t'as combien ? 1+1=2. Mmh. Plus tout ce qui le veut. Donc là, du coup, tu t'y prends un petit peu mieux. En plus, bah, tu savais un peu ce qu'il y avait dedans, il t'avait prévenu. Tu mets un peu de côté les trucs un peu dangereux. Tu vas vraiment jusqu'au fond de la poubelle. On retourne. Il n'y a rien du tout. Oh non. Retourne la poubelle. Ok. On a un nouveau nom. On a appris qu'il y avait un Danny. Danny. Est-ce que ça vaudrait pas la peine de repartir sur ces putains d'archives, là, Dani? La puce... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à regarder dans cette salle? Vous avez la... Normalement, vous avez le décor que vous avez sous les yeux. Vous pouvez jeter un œil. Est-ce que vous voulez que je vous relise la description de la salle, peut-être? Oui, vas-y. Ouais. Ok, on est parti. Je me remets au milieu et... Essayez de vous imaginer un petit peu le truc et vous allez voir un petit peu ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, etc. Vous arrivez dans l'antre d'un savant fou plongé dans une pénombre inquiétante. De minuscules cages puantes occupent tout un pan de mur. Un ordinateur sur le bureau métallique, des casiers remplis de dossiers, des rayonnages de livres et de revues scientifiques, et derrière un rideau en plastique, une salle d'opération effrayante. Que faites-vous ? Bah, les cages puantes. Ouais, les cages puantes, puis en plus, il y a des dossiers là, sur les portes. Ouais. Ça, on l'a pas fait, les dossiers ? Les dossiers, vous y avez déjà été, mais devant moi, je ne vous interdis de rien. Vous pouvez retourner 10 fois au dossier, si mais vous voulez. Mais devant les cages, hein. Ça, cette feuille, on ne l'avait pas. Hein. Que ce soit juste l'exercice incendie, mais... Allez. Dans le doute, on y va. Hein. On y va. Allez. Dans le doute, pas de doute. Rofbach, là, il se voit. On va aller regarder les cages. Moi, j'analyse les preuves, les petits enfants. Vos cages. Et j'ai trouvé des trucs, mais je ne sais pas si c'est pertinent. On va y revenir juste après. Pour le moment, on est sur les cages. Ce qui va me permettre de vous dire un petit peu ce que vous y trouvez. Est-ce que vous pouvez me faire un jet de perception? Ouais, en plus, j'ai un petit bonus, quoi.
Voilà. Perception, qu'est-ce qu'on fait? Putain, mais toi les amis. Appelle ta meuf. Allô. Appelle. Il fait meuf. Que des 3, le gars. J'avoue, j'ai en plus, il y a qu'une chance sur 12 de faire un 3. Hein. Voilà. Ok, ouais, bon bah voilà. Le plus gros G, du coup, c'est quoi? C'est 3. Tu as un bonus peut-être? C'était en perception. En perception. Pourquoi une chance pas sur 12 du tout. Là, c'est un des 12. Il y a 12 faces? Je crois que c'est un des 12. Ça. C'est un des 12, ouais. Ok. Ça te passionne, je le sens. Ça marche. Ouais, c'est un des 12. Je le savais. Vous arrivez du coup devant des petites cellules. Ok. Qui sont faites de parois, enfin le fond c'est une paroi métallique, les bords aussi, et devant c'est pareil des barreaux métalliques, donc sont vraiment assez, assez solides. Dedans t'as des couvertures sales, des seaux. Pour chier quoi. Qu'on appellerait des seaux d'aisance, voilà, pour tout simplement. Pour chier. Des seaux aussi. Se laisser aller. Non. Les cages puent la sueur. Ça sent les excréments, ça sent même la mort. C'est absolument dégueulasse, ça donne envie de gerber. Comme dirait Végard. Mais sent la mort. Vous observez au fond d'une cage que l'un des prisonniers a gratté avec ses ongles, tant qu'il en avait, quelque chose dans le il métal. Mal. Il a gravé des petits traits, il en a gravé 136. 136 traits. Les compter un à un, il a gravé 136 traits. Il ou elle, j'en sais rien, mais en tout cas, la personne qui était là a gravé 136 traits. Genre comme ça, aligné ? Elle compte quelque chose, on ne sait pas ce que c'est. Peut-être les jours qu'elle a passé. Les jours où elle est, ouais. On ne sait pas. En tout c'est cas, un décompte, ouais. Moi, je peux vous. Donc, bah, c'est des. Alors, ce qu'il y a quoi au dossier 136 ? Ce qui est assez paradoxal. C'est que à la fois ça sent la mort et c'est dégueulasse par ici, et à la fois il a bien rangé ses petits crayons sur son bureau, bien. Donc on a vraiment affaire à un psychopathe qui à la fois peut être très organisé et à la fois est en mode je me fous de la vie humaine. Moi j'ai l'impression que vous avez quand même pas mal fouillé cette pièce. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore chose à y trouver? Si tu nous demandes, c'est qu'il y a un truc. Moi j'avais une question. À tout moment, vous pouvez vous casser. Il n'y a absolument aucun souci. Vous retournez au bureau quand vous le souhaitez. Une question, mais brûle la vulve. Quoi? C'est pas agréable. Oui, c'est vrai. Ça gratte ou pas? Non. Afrigate. Question. Bien sûr. Il y a plus de munitions depuis un bail. Ouais, si t'avais juste posé ta question au lieu de dire ça, on aurait gagné une minute de vie. Mais on s'amuse. on s'amuse. Le gras. Allez, go. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que tout à l'heure, t'avais pas dit que les dossiers étaient numérotés? Je suis absolument. Et bah voilà, alors, c'est si, tout. Si, tu as raison. Ah. Ils sont particulièrement bien rangés par nom, par numéro, par couleur, etc. Tiens, par exemple, si je vais jusqu'au 136e dossier. Il n'y a pas tant de dossiers. Il y a quoi dedans? Tu ouvres le dossier 136 et c'est une revue scientifique qui n'a rien à voir avec notre affaire. Je la remets. Mais dans pas le bon ordre. Ouais, mets-la, okay. Mets-la à la place de la 134, ça, comme ça, si il revient, il pour va le rendre fou. Bien, je vous fais part de mes recherches. Ah, Rof, qu'est-ce que t'as trouvé? Non, on s'en branle. Alors, du coup, on disait que. Bon. Première chose, est-ce que tu peux zoomer? On est parti, en fait. Première chose, sur cet article-là, d'accord, que j'ai bien du coup inspecté, il y a. Cet homme-là. Et je trouve que cet homme-là ressemble assez bien à ce portrait. Peut-être que c'est moi. Non, c'est toi. J'ai quand même l'impression que, en plus, ce portrait-là a été fait de nos jours, en 2035. Oui. Or, la photo date de 2030, donc il a eu le temps de vieillir. Donc attention, cet article-là a 5 ans. Première chose. Deuxième chose, je remarque, quand j'ai utilisé cette cassette, que quand je fais ça, ça va pile sur les têtes de ces deux-là. Et donc, je me dis, peut-être c'est un indice pour dire celui-ci est le premier d'une liste et celle-ci, second. Ensuite, j'ai regardé un petit peu tes notes, ma chère Marie. C'est Mathieu et l'autre-là. J'ai un peu regardé tes notes. Le fait est que tu as dit qu'il y avait Mathieu Conway et Charlotte Klein. Ouais, deux agents de la NSA. Je pense que c'est juste un peu mal dit. Enfin, en tout cas, ça peut être pris à porter à confusion. Mais il y a marqué Mathieu assisté. Entre le professeur Mathieu Conway, assisté de Charlotte Klein de la NSA. Je pense qu'en fait, Charlotte Klein est de la NSA. Par contre, le professeur, il est professeur. Faut que je réécrive tout là.
Non, t'as juste à barrer le fait qu'il est de la NSA, je pense. Ah, mais ce sera pas propre. Bien. T'es parti loin, là, non? Donc, si jamais... Vraiment, je pars un peu loin, peut-être beaucoup trop loin pour le jeu, ça trouve, ça n'a rien à voir. Mais c'est aussi ça le truc. Hein. Eh bien, je serai en droit de me dire, quand Marie aura posé cette... que j'utilisais pour vous montrer des choses... Non, il y a une erreur. Eh bien, si jamais c'est le cas, comme ça, et qu'on a... Mais je ne sais pas à quoi je ne sais pas où je vais, hein, je vous dis juste, mais je voudrais faire un petit peu mon truc. S'il y a marqué... Cette rencontre entre le professeur Matthew Conway, donc premier nom dit, et Charlotte Klein de la NSA, qui est donc second ici, peut-être que c'est lui, Matthew Conway. Mais parce que, en fait, en mettant ici le truc, j'ai l'impression que ça va pile que sur deux visages. C'est les deux qui sont là. Vous voyez, là, ça va pile poil, alors que là, là ça marche pas. C'est juste, si on était dans un escape game, j'aurais pensé comme ça. C'est incroyable. Parce que ça fait quoi, 4 heures qu'on fouille ? Ouais. Pendant 4 ans, il a collé une cassette sur une photo. ça va pas dire ce que tu as. On l'a pas pris pour son cerveau. Il y a quand même un problème. Parce que. Je ne suis pas qu'un corps, ok? Dans le putain d'article, il y a marqué des craintes sans doute partagées, comme le montre cette rencontre entre le professeur et Matthew Conway, assisté de Charlotte Klein. En fait, effectivement, tu peux le lire de plusieurs façons. Entre le professeur et Matthew Conway. Tu ne peux jamais lire le professeur Matthew Conway déjà. Donc c'est entre le professeur qui est décrié par la communauté scientifique et Matthew Conway assisté de Charles Klein. Donc on ne peut pas le comprendre autrement que comme ça. Tu avais oublié le 2. Ensuite, cette cassette, c'est vrai que c'est intéressant, mais je pense que c'est fortuit. D'accord, je pense que tu as raison. Voilà. C'est entre le professeur, donc en l'occurrence, c'est le man, et Matthew Conway assisté de Charles Klein de la NSA. Alors après, attends. Ça veut pas forcément dire que Matthew Conway l'a aidé, ça. Ça, c'est incroyable, regarde. Jackson, si je mets la cassette comme ça, j'ai un robinet et un ordi. Oh, la journée est longue, hein. Oh, Hélène, on va vous avez tué, je pense que Jackson est décédé. En fait, c'est évident. C'est évident qu'il faut pas mettre des trucs là-dessus, puisque ce sont des images qu'on voit, donc c'est ok. Vrai. C'est, vrai, contre, c'est vrai, c'est ça, vrai. Ça, c'est quelque chose de physique. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose de physique. C'est pour ça que je les ai essayé de faire des Mais amis, il a fait. Raison. Par contre, tu as raison. Et si tu le mets sur le calepin? Mais si tu veux, en rentrant, on te donnera le jouet, là. Est-ce que c'est en tour des mots ? Eh bien, j'arrive à lire... Oublipus. Eh bah, ben, je suis désolé. Le téléphone de... Rothback sonne. Non, excusez-moi, je suis en plein investigation, là, on est en plein escape. Rothback, ferme-la ! Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de foutre ? Ça fait 3 plombes que vous êtes là-dessous. Ouais, mais là, on tâtonnait, là. C'est bon, on a trouvé des trucs, c'est exceptionnel. Écoutez, on a bien fouillé, on a bien cherché, on a plein d'éléments. On se retrouve au bureau. J'espère bien. On se retrouve au bureau quand vous voulez. Effectivement, je vous attends et maniez-vous, il se fait tard. Merci, merci Telmer. Bah, franchement, oublier plus, c'est un peu mieux. Hein. Sachant que ça se lit dans l'autre sens. On l'oublie du coup. Plus oublier. Bah, l'enquête est close. Hein, C'est bon, c'était bien la puce qui était oubliée. Oui. Parfait. C'est le colonel et moutarde. On va pouvoir du coup rentrer voir Jackson et lui expliquer qu'on a résolu l'enquête. C'est parti. Ok. On y va. Qu'est-ce que vous faites? Je vous amène, je vous ramène. Il se trouve que je possède une voiture de fonction. Elle démarre en tant que mercenaire. On va au alors comment ça s'appelle le lieu dans lequel il est? L'agence. Tu veux son nom? Elle s'appelle l'agence Icar. Attention à ne pas se brûler les ailes, bien sûr. On va à l'agence Icar, à moins que quelqu'un veuille absolument. Mais je crois qu'on a tout fouillé dans ce jeu. Ouais, je pense que là c'est bon. Voilà. Là. On a tout fouillé. Du coup, s'ils nous attendent, ça veut dire qu'on peut pas aller boire un coup. Je pense que d'abord le travail et en même temps l'alcool. Il est chiant. Bref, on va voir Jackson et on lui fait part de nos investigations. Aussi farfelu soit-elle. Une journée taf en alcoolique. Voilà. On va lui expliquer ce à quoi il nous paye. Il va être content. Donc effectivement, la fouille de la maison de Monroe vous a pris plusieurs heures. Vous êtes éclaté de fatigue. Vous rentrez au commissariat. Et il va maintenant falloir analyser toutes vos trouvailles pour tenter d'y voir plus clair. Et vous allez aussi tenter d'émettre quelques hypothèses. Vous venez un petit peu de le faire, mais on va pouvoir aller un petit peu plus dans le détail cette fois-ci. Ça. Et oui, parce tu veux qu'on a des... un peu quand même. On a des castiers. Il y a un passant dans la rue pendant que tu vous ramènes qui demande si ton embrayage marche bien sur ta voiture. De fonction. Ça, je ne sais pas encore. Vous arrivez. J'y crois.
ici au commissariat le plus proche. C'est un commissariat, je vous laisse regarder un petit peu. Tiens, tu peux me la chance. Je pense qu'avec la cassette, on pourrait... j'en peux plus. Je vous laisse voir un petit peu, vous êtes arrivés à l'agence et voici à quoi ressemble l'agence, les amis, pour ceux qui se posaient la question, elle ressemble à ça. Mais l'agence est... Hop. Comment une tu décris agence. Le truc blanc qu'on voit sortir du... C'est une sorte d'hologramme, c'est ça? Ouais, bon, on est en 2035, hein. On a fait des efforts quand même. Hein. Par contre, on a toujours si en 2035, les chaises à roulettes IKEA, hein, ça n'a pas bougé. Hein. Alors la journée a déjà bien entamé, une rapide collation et vous vous installez à vos bureaux afin de mettre de l'ordre dans vos découvertes. Ordinateur allumé pour effectuer des recherches, indices étalés pour analyser chacun d'eux, le tableau d'enquête commence à se remplir. La cafetière tourne, les stores sont baissés, tenues relâchées, vous vous préparez à de longues heures de travail. On a déjà bien entamé. Hein. L'odeur de ce paragraphe, terrible. C'est terrible. Il y a marqué cassé sur les écrans avec un fond bleu. Je persiste. C'est une machine. De quoi Est-ce qu'on peut... Alors, qu'est-ce que vous voulez analyser, regarder, vérifier? Parce que maintenant, bah, vous avez la possibilité peut-être de checker quelque chose. On va écouter ça. On déjà. Ça Alors, attends. Hop, on va revenir par ici. Non. Qu'est-ce que vous voulez checker? Ouais, déjà, je vais prendre cette truc, je vais la mettre sur le magnétoscope pour voir où est-ce que vont les trous. Ah, il rentre pile poil dedans, j'imagine. Ah, vous trouvez pas spécifiquement d'infos sur ça pour le moment. Ah. Comment ça? Bon, c'est juste une cassette, quoi. On peut pas l'écouter? Alors, dis-moi exactement ce que tu veux faire. Tu veux trouver quelque chose pour l'écouter, c'est ça? Oui, on est dans un poste d'une agence de travail qui, imagine, a mis les moyens. On a bien confisqué un Walkman à un jeune. Il y a longtemps. Donc tu fais un peu tout le tour. Tu fais tout le tour de l'agence. Tu finis avec difficulté à trouver un lecteur et à insérer la cassette avec impatience parce que on vous rappelle que vous êtes en 2035 et que un lecteur de cassette, ça se trouve pas dans le cul d'une vache. Déjà même maintenant, je pense que c'est pas facile. Oui, c'est pas évident. Sachant que il y a pas d'inscription sur la cassette. Alors à part le first, second, mais je ne savais pas quel contenu de cette cassette. Il doit bien y avoir des gens qui ont encore des bagnoles qui ont 25 ans. Tu vois. Tu chopes un mec dans la rue, un man. Mais frère, en 2035, une bagnole qui a 25 ans, elle n'a pas de lecteur cassette. C'est pas une vanne. Bagnole qui a 25 ans. Ma bagnole, elle a 16 ans. Donc je me dis qu'en 2035, c'est dans 10 ans. Elle aura 25 ans, la voiture. Et elle aura son lecteur cassette. Ok. Un lecteur cassette dans ta caisse? Oui. On va pas débattre là-dessus. Quelle antiquité. Oui, Marie. Dans le calepin, il y a plein de choses. Je pense qu'on a survolé. Oui, bien sûr, bien sûr. Je dois retourner à la ferme. Donc on suppose qu'il y a un endroit... Où ils élèvent des mannes. Où ils élèvent, effectivement, des cobayes. Mais pour moi... Nécoman. Ne t'arrête pas. Non, t'arrête pas à chaque fois. Mais... Sinon, on s'en sort jamais. Mais, ne pas oublier de recharger la puce. On a une puce avec nous. On en a même deux. Une qui était au labo, qui avait un morceau de chair. Et une qui était sur le supposé Dr Monroe, mort dans un accident de voiture. Ok. Ensuite, on voit qu'il y a une demande de nouvelle visite à Rain City. Renseignons-nous sur Google. Sur ce truc-là, il y a plein de trucs à savoir. Voilà. Ouais. Et ensuite, renseignons-nous sur ce que c'est le X5191C et regardons si c'est pas ce que Lisa a dans son corps. Bah, on pourra pas le savoir. Il faudrait trouver du X91C. Bah, on était déjà parti sur quelque chose, je crois, du côté d'Hélène. Hélène, tu étais avec ton dictaphone et effectivement, t'as fini par trouver quelque chose pour mettre la cassette dedans. En fait, la cassette se révèle totalement. Qu'est-ce que c'est bizarre? Vous avez simplement une sorte de bruit blanc en fond. Ok. Ouais, donc peut-être que vous pouvez le faire analyser dans un laboratoire spécialisé. Mais bien évidemment. En revanche, vous remarquez sur une des deux, sur une des faces, deux flèches gravées par une pointe dure, en face de deux trous avec des annotations, premier et second. Ça a peut-être une utilité. On va faire analyser le bruit, mais peut-être que l'objet... est aussi intéressant. Oui, je pense aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? En fait, je pense qu'il faut faire analyser le bruit, mais en gardant la cassette. Je fais un enregistrement. Je fais ouais, ça. Non, en 2035. Effectivement, Mireille, je crois que tu avais plein de choses à dire sur ce calepin. Bah oui. Ouais. J'aimerais qu'on se renseigne sur Rain City, la particularité de cette ville. Est-ce que c'est vraiment une ville? Est-ce que c'est finalement pas un établissement? Je vais demander un test collectif de connaissances. C'est quoi? C'est du mental. Connaissance mentale. Est-ce que vous avez des bonus de connaissance? J'ai plus un. Et est-ce que vous avez des bonus en mental? T'as plus un parce que j'ai mental. Fait deux. Ouais, moi j'ai mental. C'est bien, je suis arrivé au scénario où il fallait pas se battre. T'as fait deux. J'ai fait un plus un, ce qui fait deux.
Ok, moi, excusez-moi, je fais de la merde, les gens ne voient rien. Moi j'ai fait 3 plus 1. Qui fait 4. Donc on a fait 2 de 4. Encore une fois, mon cher Max, je pense que dans les jets de dés d'investigation, on s'en fout du résultat. Ouais, mais sur YouTube, ça, ouais. Ah ouais, donc quand j'ai fait 3, là on s'en bat. Ah, parce qu'il y avait que du combat, je crois, quasiment. Ok, alors, je vous donne les infos que vous réussissez à trouver. Il y a plusieurs grandes exploitations agricoles qui entourent Clickstone. Un grand nombre sont totalement abandonnés. Green City ou Rain City sont des surnoms qui sont donnés à Seattle. Aucune mention d'un Danny dans l'enquête de voisinage ni dans les documents découverts chez Monroe. Aucune mention d'un produit appelé X5191C sur le net. Ça n'existe pas. Dans la pharmacie de la maison, on a trouvé des anti-rejets utilisés dans les greffes d'organes. Attends, répète cette dernière phrase. Dans la pharmacie de la maison, on a trouvé des anti-rejets qui sont utilisés pour les greffes d'organes. Au-dessus. Dans la pharmacie, oui. Oui. Ah ouais. Parce qu'en fait, vous avez mené l'enquête, mais évidemment, la police était déjà venue avant, jeter un œil à tout ça. Ok. Attends. Tu as toutes tes infos. Donc ça, c'est tout ce qu'on a sur c'est sur tout ce qu'on a sur les sur notes, sur le calepin de Monroe, effectivement. Ok. À moi de te demander, mon cher Max Hildan, concernant l'article. Ouais. Est-ce qu'on a des choses à savoir sur, un, le professeur Toganov, 2, le docteur Hillary, 3, le Matthew Conway, et 4, Charlotte Klein. Gainsbourg, ah non. Il y a énormément de questions sur tout ça. Tu les revues dans l'ordre. J'aimerais que tu me demandes les choses. Non, okay, je crois que c'était un Je veux savoir des choses sur le professeur Toganov. Je veux savoir si tu vas me faire un test individuel d'investigation. Individuel. Individuel. Ouais. Ça semble quand même qu'on est plutôt. Ouais, mais. Très bien que tu réfléchisses pas, tu nous laisses réfléchir. Mais je voulais. En fait, pour moi, on était tous ensemble et on. Ouais, mais là, je veux un test individuel. Ben, tu vas être content d'avoir un. Oh, GG. Hein. Trop fort. Bah... C'est pas qu'un corps. C'est pas qu'un corps. Merci. C'est pas qu'un corps. Test individuel d'investigation, tu as fait 3. Alors voilà, le professeur Toganov est d'origine bosniaque. C'est un éminent spécialiste de la chirurgie plastique par implant. Ouais. Peu de temps après la publication de cet article, il est décédé d'une crise cardiaque dans son bureau à l'hôpital de Dallas. Oh, Dallas. On a déjà... C'est pas là où vous étiez la dernière fois ? En Alaska. Non, comment dire ? Après l'Alaska, vous étiez allé où ? Il était où cet hôpital ? Dallas. Je suis quasiment sûr. T'en es quasiment sûr ? T'en es certain ? Je vérifie. Quasiment sûr, 90% que c'est Dallas. Pas du tout. Ok, vas-y, je vérifie. Moi, je crois pas. J'ai aucun souvenir de Dallas parce que Dallas, c'est. Ça me fait rigoler cette ville. C'est vrai ? Décédé peu après. Non, vous étiez à l'hôpital de Lawrence, rien à voir. Après Lawrence, Dallas. Non, rien à voir. Parce que là-bas, on mange de la quiche. La quiche Lawrence. Lawrence. Alors qu'il y a Dallas. Ok, donc on s'en fout, c'est pas le même hôpital. Oui. Et de toute façon, c'était peu après, c'est ça hein. Oui. De toute façon, ça devait être en 2030, donc il y a 5 ans. Donc le mec est mort. Le mec est mort et enterré, j'imagine, depuis. Donc, okay. Ce qui veut dire que le professeur Toganov, c'est pas du tout le professeur Monroe. Pour un moment, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il est surnommé, etc. Mmh. C'est par contre, peut-être un aïeul ou en tout cas quelqu'un qui a travaillé avec le mec en question, puisqu'il l'a entouré en disant c'est pas possible. Ou peut-être que c'est juste, lui faisait ses expériences dans son coin, il s'est dit ah mais c'est ça, moi je veux qu'on arrive à avancer sur ce truc-là et on n'y arrive pas. Est-ce que, vu que c'est un spécialiste de la chirurgie plastique par implant, il aurait pas modifié le visage de quelqu'un ? En fait, il y a ça qui va peut-être jouer un jour, c'est que depuis tout à l'heure on nous parle de trucs qu'on peut modifier, etc. Bah oui. Si ça se trouve, Jackson, il est pas frère. Moi Oui. Je rappelle que le cadavre de l'homme qu'on avait retrouvé, qui était Monroe, avait été génétiquement, pas génétiquement modifié, mais il avait été refait du nez et des joues, je sais plus quoi. Putain, mais il est bon lui, c'est vrai ça. Oui. Il semble, hein. Tout donc à c'était fait. C'était Monroe, je crois, il me semble que c'était lui. Hein. Je n'ai pas cette info, les amis, en plus je fais tout ce truc à la fois, mais, j'arrive. Si, la victime de l'accident avait eu une rhinoplastie. Il avait des contusions partout, mais il avait eu une rhinoplastie et je sais plus quoi, botox, je sais plus quoi, dans les joues. Je sais plus exactement. Ok.
Je voudrais, mon cher, mes chers amis, oui, que nous fassions une recherche collective, parce que là j'ai eu beaucoup de chance, sur allez, viens, le docteur Hillary Clinton. Hillary comment? Hillary tout seul. Docteur Hillary tout seul. Attends. sans parler des questions éthiques liées à la recréation de l'apparence humaine, explique le docteur Hillary. En vrai, je crois que le docteur Hillary, on s'en fout, mais... Non, je crois qu'on doit chercher quand même. On va quand même chercher. Ok, on va faire un test individuel, s'il vous plaît, d'investigation. Par contre, vous pouvez choisir qui cherche. Ah bah c'est toi. C'est Hélène. Hein. 3. Non, je veux que ça là, soit dans la tour. Oh, oh c'est là abusé là. Allez. On est où là? On travaille correctement. Ciao. Voilà. Ça allez, me va chef, parfaitement. Chef, c'est un 3. Ça fait 5. C'est un 3, ça fait 5. tu fais des recherches sur le docteur Hillary. C'est un éminent spécialiste, mais tu ne trouves rien d'intéressant concernant cette affaire. Et Matthew Conway? Il nous faut Matthew Conway et Charlotte Klein. Est-ce que tu veux un seul jet ou est-ce que tu Je veux un seul jet et je veux un jet de négociation cette fois-ci. Ah bon? De... Bah, c'est de ton côté ça. C'est du social? C'est une négociation. C'est une négociation sociale, effectivement. Moi j'ai plus 1. Moi aussi j'ai empathie plus sociale. Moi j'ai rien, les gars. Ah, j'ai empathie, ah, mais. Non, mais toi t'as social. Toi t'as social. Ouais, moi j'ai pas de négociation. J'ai juste social. Donc plus 1. Et le G sera. Oh, oh ça, je suis obligé de vous le montrer. Mais c'est un héros, putain. C'est un héros. De héros en héros. Alors, effectivement, c'est un échec cuisant. Et alors, voilà ce qui se passe quand on a des échecs cuisants dans Critical. Ce qui se passe, c'est que. Je vais te donner ce jeton. C'est un jeton héroïque. C'est un Flash Gordon. Ce jeton héroïque, il est pour toute l'équipe. D'ailleurs, je vais le mettre ici. Voilà. Il est pour toute l'équipe. Et. À tout moment, vous pouvez décider collectivement de l'utiliser pour un jet de dé. Si vous décidez de l'utiliser, alors en même temps que votre dé initial, vous pourrez y rajouter ce dé 8. Oh. Ah ouais, ça, ça, on le savait qui pas vous donne un résultat entre 1 et 3. Il y a même un 4. Il n'y avait aucun moment. Il y a même un 4, t'as putain de raison. Il y a un seul 4, mais il y a un 4. Donc c'est une sorte de gros bonus pour le dé. Tout à fait. Là, par exemple, si du coup... voit que lui, il est allé sur Bing pour faire ses recherches, mm-hmm, on peut se dire, tiens, et sinon on allait sur Google avec le dé magique. C'est... Tu veux essayer de faire une négociation? Ouais. En fait, ouais. Je vous explique un petit peu ce qui se passe. Je vous explique un petit peu ce qui se passe. En gros, il y a un contact interne ici qui travaille au commissariat qui a peut-être des informations, mais d'accord, c'est un peu classé, il n'a pas vraiment envie d'en parler. D'accord. Ah, mais je dis pas tout aussi. D'accord. Non, d'accord, je dis pas d'accord tout, parce que pas je soucis découvre un peu en même aucun temps. Souci, aucun souci. Donc oui, en fait, en gros, on ne trouve rien sur Internet, ouais, mais quelqu'un nous fait comprendre que c'est possible en passant par ce mec-là, et ce mec-là, quand on va le voir, quand c'est lui qui lui parle, il ne se passe rien, parce que tu es nul en négociation. Par contre, quand c'est moi avec mes gros biceps et mon dé de héros, on va peut-être avoir des informations. Est-ce que ça te va comme ça, Maxime Dame? Tu lui mets est-ce que c'est possible de le refaire, du coup? Non, non. Ouais, voilà, c'est ça qui toi, toi, tu es out du game, parce non, qu'en fait, toi, le mec, toi, il fait « Encore toi !» Ça va, je t'ai déjà dit que je te dis rien. Voilà, toi, tu as très mal fait. Moi, je veux bien utiliser... Alors, ah, mais quelqu'un, ce que je disais, c'est ce que ouais, quelqu'un d'autre... Oui, bien sûr. Donc, vas-y, donne-moi le... Alors, est-ce qu'on est d'accord que j'utilise le dé de héros, parce que je suis pas très bon en égo, mais j'ai l'impression que ça représente un peu mes muscles. Tu te mets bien d'accord avec les autres. Si les autres ça vous va, ouais. J'ai pas écouté. Ok. Il veut utiliser ça le jet bon de Hero. Ah ouais, ceci pour toi. Direct, comme ça ouais, pour un truc qu'on s'en fiche. Ah, je pense que c'est le point capital. Comme par hasard, le premier on s'en fout, le deuxième on s'en fout. À mon avis, les donc là on parle des deux, c'est ça de ouais. Conway, Matthew Conway, et professeur Conway et Charlotte Klein. Non, pas professeur qui nous a spoil. C'est un professeur Conway. Oui, bah gros, c'est un truc scientifique, hein, le bordel. Ils sont tous doctorants plus 12. J'avais donc raison, tu peux le dire. Pas tout à fait. Ouais. Et je fais, et j'ai bien fait de lancer ce dé là puisque j'avais fait 1 sinon de base, et grâce à ce dé bonus, je fais 4, c'est ça, hein. Comme ça. Exactement. Alors le contact sait que Conway est désormais membre du directoire de la NSA. Et intouchable, c'est classé top secret. Écoute. Et Charlotte Klein, c'est une consultante en technologie avancée qui est venue du privé et qui travaille pour de nombreuses sociétés. Oui, j'ai bien fait. Hein. Donc, il y en a un, il est intouchable.
Ouais. On peut quand même essayer d'aller le toucher. Enfin, je me dis, on peut peut-être aller. Tu peux danser, tu peux caresser les cheveux. Qu'est-ce qui se passe si je le touche, je veux dire, ça, le monde va pas exploser. Ah, c'est la NSA. peut-être pas trop. Mais... Très bien. Et Charlotte Klein, c'est. Avant, j'ai peut-être passé pour un gros con, mais je m'en fous. On va dire que c'est mon personnage. C'est quoi exactement la NSA ? La NSA, c'est Service d'information américain. Pourquoi c'est pas la CIA ? Alors. Je vais te donner la définition. Ah, pour agency, mais... Je vais te donner la définition, mais... Grâce à Marie, on sait que ce sont des agences. Oui. C'est l'agence de sécurité nationale. Oui. Voilà, c'est la NSA. CIA, ça doit être international, non ? C'est au-delà de la CIA, la NSA. Ah et bon la CIA, c'est... Le centre d'information. L'agence centrale d'intelligence. Donc en fait, la CIA, c'est un peu plus de l'information, et la NSA, c'est... un petit peu plus musclé. La NSA, c'est Jack Bauer, quoi. La NSA, c'est Jack Bauer. La sécurité. Bauer. Donc, juste, attends, tiens, je vais pas faire répéter Max. Je vais lire tes notes très bien écrites. Conway, membre du directoire de la NSA, donc lui, ok. Secret défense. Et l'autre, c'est consultante en néotech issue du privé. Là, ça m'intéresse. Ça veut dire qui bosse pour divers. Je peux te donner des détails sur la NSA si tu veux. Sont responsables du renseignement d'origine électromagnétique et de la sécurité des systèmes d'information du gouvernement américain. Donc, ces systèmes, en gros, c'est ceux qui gèrent la sécurité, mais informatique. D'accord. Est-ce qu'on peut en savoir plus ? Donc, en fait, donc ça, c'est le mec qui nous a donné l'information. Mmh. Est-ce que maintenant, on peut réutiliser tes talents de recherche Google pour voir si on peut choper la meuf qui s'appelle Charlotte Klein. Excuse-moi. Klein, je sais pas comment on dit. Charlotte Klein, on va l'appeler Klein, y'a pas de problème. Klein. Après, on dit Calvin Klein. Hein, comme Gérard Klein. Le roi Jean Klein. Charlotte Klein, tu veux des infos dessus ouais. Vas-y, fais un jet. Vas-y, champion, donne-nous tout là. Et c'est un 3, c'est incroyable. Ok, c'est un jet d'investigation là-dessus, ça fait combien ? 5. Ça fait 5. Tu trouves pas beaucoup plus d'informations. Elle est effectivement très très calée en technologie. Elle a fait de nombreuses années à développer différentes technologies pour des sociétés privées qui sont vendues pour le public ou pour des trucs paramilitaires ou autres. Mais rien de spécial, quoi. Ok. Est-ce que parmi nos recherches, mon cher MJ, nous avons pu voir éventuellement leurs photos. Et du coup, on a pu identifier qui était qui sur cette photo-là. Non. Moi, j'aimerais... C'est embêtant. J'aimerais faire une recherche. Ah, tu peux te douter que Charlotte... Bon, là, j'avais une idée. Tu l'avais ? J'avais une idée aussi que le mec qui est mort à 60 piges... c'est ça, 60 ans, non, il était... c'est le professeur. Par contre, entre les deux autres, il devrait y avoir du coup, normalement... Conway. Docteur Hillary. Et Matthew Conway. Ouais. Eh bien... J'imagine que donc du coup, si Matthew Conway... Tu trouves probablement cette info, mais elle n'est pas relevante. D'accord. Moi, j'ai une question. Les puces qu'on a amenées au laboratoire pour analyse, est-ce qu'on a trouvé le moyen de les recharger ? Les puces qu'on a trouvées au labo pour analyse, est-ce qu'on a trouvé le moyen de les recharger ? Genre avec des halopasses. C'est une... Une excellente question. Laisse-moi une petite seconde parce que je sais qu'on a un bail justement sur ça. En fait, on a des moyens de les recharger. Malheureusement, la personne qui est en charge de le faire n'est pas disponible. Vous ne pouvez pas les recharger. N'est pas disponible pour le moment. Effectivement. Je vais rappeler plus tard. Et du coup. D'ailleurs, en vrai, Marie, est-ce que tu peux me faire un. Non, je vais vous faire à tous. Vous pouvez me faire un test collectif de connaissances, s'il vous plaît. Connaissances. Quand on parle des puces, mental, hein. On va faire. On va vérifier un petit peu ça. 3 pour Marie. C'est pas possible. Et 3 pour Marie. 1 plus 1, ce qui fait 2. C'est 3 en tout ? Ouais. Je veux bien un dé, parce que je sais pas pourquoi. Je suis nul en connaissance. Ouais. Le score le plus haut, c'est lequel ? C'est 3. C'est 3. C'est 3 du coup. En gros, les puces que vous avez, est-ce que vous avez quelle puce actuellement ? On a celle qu'on a retrouvée dans le laboratoire, dans la cave, qui est dégueulasse avec un morceau de chair. On a également celle qu'on a retrouvée dans le cadavre du docteur présumé Monroe avec sa rhinoplastie dans sa jambe. Et on a celle de Lisa aussi. Et on a aussi celle du mec qu'on a... C'est celle-là que vous aviez, on est d'accord ? C'est ce jeton-là ? Oui, c'est ça. Cette puce, je vous la donne. Vous êtes censé la voir, je vous la donne. Et c'est laquelle, celle-ci ? Vraiment. C'est laquelle, celle-là ? Ça, c'est celle qu'on a retrouvée dans le cadavre, oui. Je crois. Ça, c'est celle que vous aviez, c'est la puce de Monroe. Et vous n'avez absolument pas la puce que vous avez retrouvée dans la poubelle. En fait, elle est juste
HS est absolument pas utilisable. Donc vous avez surtout cette puce là. Donc sur cet implant, on l'a récupéré. C'est quelqu'un qui l'a filé parce qu'elle était sur le corps de Monroe. Exactement. Ouais. C'est un modèle RFID qui est très avancé. C'est sans doute une clé de verrouillage ou de déverrouillage à distance, mais ça a une durée de vie limitée car elle nécessite d'être rechargée électromagnétiquement. D'accord. Et la personne qui gère ça n'est pas là, vous ne pouvez pas la recharger. D'accord. Est-ce qu'on n'aurait pas pu? Cassette qui est là, finalement, c'est pas l'aimant qui va recharger? Je pense pas. Je sais pas. Parce que c'est pas une cassette à première vue. Donc pour non, moi, c'est ça... une cassette. Oui, mais bon, il n'y a rien dessus. Mais moi, je suis assez. Moi, je suis assez d'avis qu'elle se plug à un endroit, tu tournes un peu à gauche et un peu à droite et ça recharge. Fermez le son. Ok. Est-ce que par hasard, oui. cher Jackson, je ne sais pas comment vous vous appelez. Alors, je vais quand même vous donner une info. Vas-y. Vous pouvez regarder vos montres, s'il vous plaît. Il est quelle heure, là, actuellement, au bureau? Ah, on a la même heure? Ouais, la même heure. Il est quelle heure? Attends, tout à l'heure, on t'a dit qu'on rentrait après une matinée chargée. Non, non, il est quelle heure? Il est 10h30. Ouais, il est 10h28, là. Hein, il est 22h28 actuellement. Hein, vous êtes au bureau en train de vous fumer. Je vous le dis... Il y a un moment donné où il va quand même falloir aller vous reposer, les amis. Je vous donne encore jusqu'à 22h35 et après vous vous cassez d'ici, d'accord? Oh l'enfer. Là, c'est Jackson qui nous parlait ou c'est... C'est Jackson qui vous parle. Hein. Ok, j'ai pas le truc. Oui, pas de corporate, quoi. Pas de soucis. Alors voilà, nous on fait des heures sup, même pas payé. C'est rien. Ok, très bien. Jackson, est-ce que vos hommes, qui étaient sur le terrain également, dans la maison... Oui. Ne vous ont pas ramené, parce qu'il y en avait qui sont venus avant nous, des documents intéressants? Alors tout ce qu'on nous a ramené ici, c'est vous qui me l'avez ramené, les cocos. Tout ce qui a été ramené, en fait, tout ce qui a été ramené par le reste de l'équipe, c'est les éléments qui étaient liés plutôt aux affaires personnelles de la personne, mais rien qui était lié à l'affaire. Ça, on vous le laisse. C'est vous l'agence, c'est vous qui avez les pouvoirs sur ça. Okay. Il est vrai qu'on nous avait parlé d'une puce RFID à l'hôpital. Mm-hmm. Le tueur. Ouais, ouais. Non. Ouais. Bah, c'est tout. Et 36, il y a effectivement un petit lien. Il y a un petit lien. Voilà. D'accord. Pour le moment, vous savez qu'il y a un lien. Quel serait. Parce que bon, là, on va éventuellement aller se reposer. Est-ce que vous avez une idée de où est-ce qu'on pourrait aller Vous avez analysé tous vos indices, là? Non, mais non. Écoute, on a le portrait robot, on peut faire une recherche. On peut faire une recherche. Non, moi quand je vous ai dit, les gars, moi quand je vous ai dit, regardez, il ressemble vachement à celui-là, vous m'avez dit non. Bon. Est-ce qu'on peut faire une analyse, voir ici dans dites-moi, les... dites-moi ce que vous faites. Parce qu'on est jamais repassé à l'agence depuis qu'on a ce portrait robot. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une analyse sur ce portrait robot, une recherche inversée sur Google. Une recherche inversée sur Google. Une recherche inversée dans les données de... Test d'investigation, s'il vous plaît. D'accord, allez, monsieur Hubert. Allez, on fait nous tes trois. Bon, bah, sors-lui une carte de héros, machin, là. Ouais, moi, tiens, t'as un petit jeton de héros et tu n'auras absolument pas cette info. En fait, tu vas passer plusieurs appels téléphoniques, d'accord? Ouais. Tu vas quand même essayer d'obtenir des infos sur ça. En fait, le problème, c'est que tu ne trouves rien dans la base de données auquel vous avez accès. Éventuellement, il y aurait peut-être un moyen de trouver ça dans les bases de données de la NSA, mais encore faudrait-il avoir accès, c'est mort. Moi, en tout cas, je pense que la NSA, parce que nous, l'agence, dans cet univers-là, on est, par rapport à la NSA... Vous êtes très élevé, c'est-à-dire que vous êtes au-dessus d'un pécor de flic. Par contre, la NSA, c'est quand même la NSA. La NSA nous pisse un peu dessus. Hein. Jackson, est-ce qu'on n'a pas un contact à la NSA? Alors, moi, j'en ai, mais je vous assure qu'il a absolument autre chose à foutre en ce moment. J'aurais envie de trouver le contact. Moi, j'ai bien envie qu'on creuse cette piste du tueur de l'hosto, là, avec sa puce RFID. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux creuser? Bah, c'était lui, en fait, je pense. Il a la même gueule. Est-ce que... Moi, j'étais pas, mais est-ce que ce... Max, est-ce que ce portrait robot dit quoi que ce soit à mes deux collègues? Bah, moi, oui. Il me semble que le tueur avait à peu près la même gueule. Mais comme il était de loin et que c'était une silhouette... Vous n'avez absolument aucune info sur ce portrait robot. Vous ne savez pas qui il est, vous ne pouvez le relier à personne. Donc même, façon, j'imagine que même à celui qui est là. Hein. La logique serait que Lisa, il aurait montré le cadavre de l'autre, au pire. Mais Lisa, elle peut-être qu'on devrait lui montrer le portrait robot. On est con.
Mais non, mais c'est pas Lisa qui a fait le portrait. Si, c'est elle qui l'a fait. Le Lisa, elle a fait le portrait. C'est elle qui vous a donné. C'est vrai, on est fatigué. Non. Ah, mais je sens qu'il est tard. Il est 32, il vous reste 3 minutes. Ça commence à être un peu compliqué. Il y a pas un truc d'identification, un numéro de série. En fait, on nous a dit que le mec qui pouvait la recharger n'était pas là aujourd'hui. Peut-être qu'on verra demain s'il est là. Au pire, une bonne nuit de sommeil porte toujours ses fruits. Et qui est à plaindre qui ne peut s'attendre ? Tout à fait. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait la cassette, on a fait l'article, on a fait éventuellement le robot, mais on n'a pas arrivé à faire grand-chose pour le robot. Robot. Et t'en fais voir, sur ça, on a tout dit ? C'est vrai qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait. Tiens, c'est pour toi, ça. Ouais. Qu'on nous dit dans l'oreillette, mais bon, c'est bientôt fini. Donc, ah. Je propose qu'on le fasse demain. T'es quoi ? Les traces de poudre. C'est la cocaïne. Ouais, mais ça, on l'a pas. Là. Ça, vous l'avez pas. Au moment, elle est. C'est le truc qui a été injecté. Elle est sous analyse. Vous l'avez pas sous les mains là. Et on a. Tu as dit qu'on avait aucune info sur le X5191C. Ça doit être un des trucs. Non, on n'a pas d'info sur ça pour le moment. Seattle en 2035. Ouais. C'est quoi comme ville? Parce que la ville de la pluie. De mon temps, c'était une ville avec plein de. Comment dire, c'était un petit peu là où il fallait être, quoi. Il y avait plein de nouveautés qui se passaient là-bas, il y avait plein d'entreprises. Est-ce que c'est devenu un no man's land avec les. Ou c'est moi qui. Ah oui, puisqu'il y a des exploitations agricoles plus ou moins. Non, c'est Seattle, quoi. On nous a dit qu'il y avait des exploitations agricoles plus ou moins abandonnées. Ouais. Est-ce que c'est ça dont il fait référence sur le calepin en disant je dois retourner à la ferme pour des cobayes? Peut-être. Bah oui, je pense. Et demande d'autorisation pour Rain City, donc Seattle. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher du côté des exploitations agricoles à The Seattle. Rain. Ah ouais. Ouais. Mais ça, c'est peut-être quelque chose qu'on fera lors d'un prochain épisode. Donc on va se coucher. Cet épisode nous laisse plein d'interrogations. Cet épisode vous laisse effectivement beaucoup d'interrogations. Et je vois que l'heure avance, donc on va commencer tout simplement à aller se reposer, les amis. Parce que ça fait quand même un petit moment, vous avez fait des bonnes recherches, vous avez obtenu quand même pas mal d'infos sur pas mal de personnages. Vous avez d'ailleurs envoyé... Vous savez quoi, donnez à moi la cassette. Donnez-moi cette cassette. Est-ce qu'il y a des choses qui nous ont échappé, Maxime Dan Jackson? Non, il n'y a rien qui... Alors là, au moment où on est en train de discuter et que Jackson dit « Non, vous avez fait du bon boulot, allez vous reposer, là c'est bon, il est assez tard comme ça », il y a une policière qui rentre et qui dit... en fait, elle dépose un dossier sur votre bureau. Elle vous dit « On a identifié votre tueur. Oh » Donc le mec de l'hôpital. Oui. C'est le docteur Maurice. Il vous attend... alors le tueur n'est pas le docteur Maurice. Hein. C'était le docteur Maurice depuis le début. Calmez-vous. Donc on a identifié le tueur. Le docteur Maurice vous attend demain matin à la morgue pour son autopsie. D'accord ? À ce moment-là, elle ressort et c'est évidemment le moment où je vais vous donner un petit indice supplémentaire. Celui-ci. Allez-y, prenez-le, moi je vais l'afficher. Interpol Wanted. Aaron Stroke est un homme de 38 ans de Phoenix, Arizona. Plusieurs condamnations pour violence et port d'armes illicites. 2 ans de prison pour attaque à main armée à Dallas, au Texas. Au fameux hôpital. Porté disparu depuis 5 ans, pas d'adresse connue, aucun lien familial enregistré. Donc ça, c'est le mec. C'est quoi ? J'ai pas eu le temps de lire, c'est la phrase qui est en dessous en anglais. Ah merde, pardon. C'est pas grave. Enfin, en anglais, c'est pour ça. Cet indice pourrait bien être la pièce manquante du puzzle. Si vous avez quelconque information, contactez votre commissariat local ou allez sur www.interpol.int/personne-recherchée. Ok. Aaron Stroke. Mort à Dallas. Présumé, ouais. Non, il a fait des conneries à Dallas. Il est pas mort. Je sais plus. Non, il a fait des. Il est porté disparu depuis 5 ans. Dis donc. Quelqu'un est mort il y a 5 ans à Dallas. On sait qui c'est là. C'est le mec qui nous a attaqué dans l'hôpital, c'est ça? Exactement, c'est le mec qui nous a attaqué dans l'hôpital. Oui, ouais, tout qui à nous fait, dit tout que fait. C'est pas le vrai Togena. Ouais, il avait l'air vachement plus jeune que lui. Ça, c'est ce qu'on découvrira plus tard. Il est 22h et vous observez le tableau d'enquête qui se remplit de vos notes, d'articles, de photos. Vous commencez à voir qu'il y a des choses qui commencent à se recouper, peut-être. Il va falloir voir ça, évidemment, demain, parce que vous aurez de nouvelles informations. On est tous très fatigués.
Rentrez à l'hôtel, dormez un peu. Moi, je vais passer au labo de la police scientifique et je vais leur donner cette cassette pour qu'ils analysent justement la partie sonore de cette cassette. Tiens, pareil, filez-moi l'implant. Je vais le faire analyser aussi, comme ça, on fera d'une pierre deux coups. Ah, pardon. Voilà, merci. Merci Jackson pour toutes ces analyses. Oui, il n'y a pas de problème, c'est sur ma route. On se retrouve demain à 6h du mat, d'accord ? C'est du bon travail, tous. Merci. Félicitations. Messieurs. Jackson, ce fut un plaisir, comme d'habitude. Mademoiselle. J'ai hâte de vous retrouver demain pour une nouvelle journée d'enquête. Le bon nuit à votre femme. Et c'est la fin, les amis, de cet épisode. Donc là, c'était vraiment un épisode de recherche, d'enquête, d'hypothèses, où on va essayer de retrouver des petites choses, etc. Je vais faire quelque chose que je ne vous invite pas à faire. Encore une fois, je vous rappelle qu'on est ici pour vous présenter le jeu Critical et pour vous donner envie de l'acheter et de faire vous-même un petit peu votre expérience. Le but ici, c'est que vous, si vous achetez cette boîte de jeu, eh bien, c'est que vous puissiez tenter d'être maître du jeu et de faire vivre l'aventure à vos joueurs, à votre famille, à vos amis, etc. Donc là, je vais faire quelque chose que je ne vous recommande pas spécialement de faire pour vos joueurs, mais je vais faire pour que vous puissiez vous rendre compte de quelles étaient les possibilités lors de ce scénario. Moi, je trouve ça intéressant quand on veut comprendre un peu comment fonctionne un jeu. Donc effectivement, déjà, quel est votre premier ressenti ? Moi, j'ai l'impression que ça a peut-être été un peu long et c'est peut-être moi qui vous ai laissé trop traîner sur les recherches ou autre, ou est-ce que vous avez trouvé que c'était OK ? Moi, c'était parfait. Pas du tout. Moi, j'ai trouvé que c'était bien parce que du coup, on a pris le temps. J'allais même dire, quand t'as commencé à nous dire oui, il faut y aller, on sent aussi qu'il y a l'émission qui est là, etc. Et qu'on peut pas. Mais en vrai, si on était dans un jeu de rôle, on va dire offline, exactement. Je crois qu'on aurait encore plus cherché la petite bête, le machin. Si on avait été, et ça je le précise aussi pour les gens qui nous regardent, si on avait été juste entre nous, je vous aurais laissé un petit peu plus galérer ou des fois, j'aurais peut-être un petit peu aiguillé, mais peut-être un peu plus subtilement ou quoi. Là, il y a aussi que, il y a X centaines de personnes qui nous regardent. J'ai fait en sorte que ce soit relativement dynamique. Mais en vrai, j'aurais pu vous laisser galérer encore bien longtemps. Et si vous avez envie, si vous voulez aussi, parce que on le rappelle, c'est des scénarios qui peuvent durer que 30 minutes. Oui. Vous pouvez tout à fait mettre une sorte de pression à vos joueurs en vous disant, OK, je vous donne jusqu'à telle heure. Maillez vous le cul. Et du coup, les mecs, ils vont juste se dépêcher de dire « Ok, j'analyse ça, tu leur fais faire plein de jets, tu leur donnes des infos, et puis après, on voit où est-ce qu'ils vont. » Alors, là, sur cet épisode, vous avez trouvé beaucoup de choses. Vous avez fouillé la salle d'opération, vous avez fouillé les cages, vous avez examiné l'ordinateur. Alors, l'ordinateur, si vous aviez réussi à le fouiller, vous auriez trouvé, je ne vais pas vous dire quoi, mais des mots particuliers. Vous auriez trouvé en fait des dossiers dans l'ordinateur qui ont des noms particuliers. Et juste après avoir lu les noms des dossiers, l'ordinateur serait cramé quand même. Et vous auriez eu quelques bribes d'informations en plus. Vous avez fouillé le bureau, ça vous a permis d'avoir le calepin et le dictaphone. En fait, il faut savoir que le début de ce scénario, vous êtes obligé. Je bois un coup parce qu'en fait, j'ai la voix qui part. Ce scénario, la seule chose qu'il vous oblige à trouver, c'est le calepin et la cassette. Le reste, tout le reste, optionnel. Alors, ça enrichit le truc, mais vous n'êtes pas obligé de le trouver. C'est ce qu'ils appellent les indices principaux. Les indices principaux, c'est le seul truc où le MJ doit vraiment un peu vous guider dessus parce que le scénario va vers ça. Tout le reste, vous pouvez réussir, vous tromper, ne même pas y aller, on s'en fout. Par exemple... On pouvait casser le tiroir ou il fallait absolument trouver la clé ? Si vous m'aviez fait... S'il m'avait dit... quand t'as commencé à dire, je vais faire une descente du coude. Si littéralement, vous m'auriez fait une descente du coude sur le tiroir avec la force de Rophelos et qu'il avait fait un bon jet de dés... Je vous aurais dit, avec le choc, une clé qui était scotchée en dessous du truc tombe par terre. En fait, tu l'aurais trouvé autrement. Donc oui, vous auriez pu le faire, je vous l'aurais donné, il n'y a pas de souci. T'as perdu du temps quand même à chercher cette clé. Mais en fait, vous m'auriez juste dit, on fouille pour trouver la clé. Et c'est ce que Rof a fini par faire en disant, on fouille dans toute la maison. Bah du coup, je vous l'ai fait trouver. Il n'y avait pas de... Des fois, c'est souvent le cas d'ailleurs, n'oubliez pas que c'est un JDR relativement simple. Et on sent que vous avez un peu l'expérience du JDR classique. Vous cherchez très compliqué, très deep. C'est souvent relativement accessible. C'est ce que je me suis dit quand j'ai commencé à prendre mon petit game là sur un machin qui en plus... En fait, mais c'était pas con. Mais il y a ça aussi. C'est le fait d'avoir des indices optionnels
te fait toi du coup miroiter encore plus de possibilités, ouais. Alors que si ça se trouve c'est même pas, y a c'est pas pertinent. Il y a énormément de fausses pistes, évidemment, pour pas que ce soit linéaire et chiant et que tu dises oh bah ok, une piste on la suit et merci, voilà. Il y a plein d'autres petites pistes à suivre. Vous avez fouillé l'ordinateur, vous auriez pu trouver donc quelques noms, vous avez trouvé le calepin et la cassette, vous avez examiné les dossiers, bon voilà, vous avez trouvé l'article. Pareil, l'article, c'est un truc en plus, vous l'auriez pas trouvé, c'était pas grave. Et bah, typiquement, c'est un truc sur lequel vous avez passé beaucoup de bien temps à regarder les noms, les machins, les trucs. Ça a peut-être une importance, peut-être moins que d'autres. Ça nous a amusé, en tout cas. Et il y a un dernier truc que vous n'avez pas fait. Oh non. Parce qu'en fait, vous avez presque tout fait dans cette maison. Vous auriez pu interroger le voisinage. Ah oui. Ah, on a vous avez pu quoi. Sortir et voir le voisinage et dire « Oui, dis donc, John Mills, c'est quoi ses habitudes? Qu'est-ce que vous pensez de cette personne ?» Ah, machin. Et j'aurais peut-être pu vous donner quelques infos. C'est pas con, on est resté un peu bloqué sur le côté « on s'en fout la cave à fond ». Mais c'est vrai que c'est aussi ça. Tu es apprenti MJ, nous sommes apprentis policiers. En fait, à la base, c'est pas notre métier. Et du coup, on a peut-être des choses en main. Mais c'est clair que se renseigner sur les allées et venues, ça peut être intéressant. J'ai quand même l'impression que ce que le jeu essaie de nous dire, c'est voilà, il y a des bails très sombres qui se sont passés avec notamment du transhumanisme et compagnie. On va juste essayer maintenant de trouver les bonnes personnes à qui parler. Et ça se trouve, effectivement, ce côté, ce truc de... Je me suis un petit peu buté là-dessus parce que j'avais l'impression qu'il y avait plein de noms et plein de... Enfin, le mec a quand même entouré, non, etc. Mais c'était... Et en même temps, le fait que ça, depuis 5 ans, peut-être qu'effectivement, c'était juste pour rajouter ce côté... oui, bah, c'est un truc qui l'intéressait à fond, mais peut-être que le mec n'a rien à voir avec ces gars-là. En tout cas, vous avez fait pas mal d'analyses, effectivement, le portrait robot, la cassette du dictaphone, les notes de Monroe, l'implant de Monroe... Il y a un truc que vous n'avez pas regardé et que vous ne pourrez plus regarder à l'avenir, tant pis, je vous le dis, c'est un truc que vous avez raté. Regardez bien. Ah, il fallait regarder l'implant. Les trucs. J'ai jamais pris en main celui-là. Il y a, en fait, je vous le dis, tiens, tu peux le poser là où il y a les dés. Regarde, je vais zoomer dessus, comme ça les gens vont le voir. Ouais. Moi, je l'avais vu, mais je pensais que c'était le symbole du scorpion. Alors, vas-y, attends, je vais enlever ça, t'inquiète pas. Hop, on est là. On l'avait vu la première fois, c'est une tête de mort. Ouais, tu peux montrer le logo qui est dessus. Ouais, c'est un peu inversé, voilà. Hop. Ouais, de l'autre côté, voilà. En fait, t'inquiète, je vais faire une petite. Attends, j'ai une super idée. Petite mise au point. Bouge pas. Ouais. Bravo, beau gosse. Excellent. En fait, vous voyez sur la partie noire, il y a un petit logo, effectivement, avec une forme un petit peu particulière. Eh bien, vous auriez pu faire une investigation dessus. Vous auriez obtenu une info. Sur laquelle vous auriez pu aussi faire une investigation qui vous aurait donné une autre info. Oh merde. Vous ne l'avez pas fait et ça va. Il y a du coup un indice que vous n'avez pas obtenu, c'est pas très grave. Et il y a une personne, et c'est la dernière chose que vous n'avez pas cherché. Dani. Il y a une personne sur laquelle vous n'avez pas fait d'investigation. Essayez de deviner laquelle. On n'a pas cherché. Ouais. Vous n'avez pas cherché d'info sur Monroe. Alors que vous aviez tous les dossiers de la police et tout machin, vous auriez pu aller chercher des infos sur Monroe. C'est à force d'être dans le truc, t'es en mode tellement évident. Le truc est tellement évident, tu dis bah Jackson me l'aurait dit. Mais en fait, il y avait des trucs à chercher. Ça qui est bien, c'est qu'en fait, on s'est un peu buté peut-être sur des. Mais c'est normal hein, sur un jeu comme ça. Sur des indices qui n'étaient pas forcément utiles et inversement, il y a des choses qui étaient évidentes et on n'a juste pas posé la question ou quoi que ce soit. Mais c'est ça qui est cool, c'est de voir que sur différents groupes. Et comme je vous le dis, si c'était extrêmement important, bien sûr, je vous aurais aiguillé dessus. Ce sont des indices optionnels, vous n'avez pas, ça ne vous empêchera pas de faire la suite de l'aventure, ce sera peut-être juste un peu différent, un peu plus dur, il y aura peut-être un jet de dés dans 3 épisodes qui aura un de difficulté en plus parce que vous n'aviez pas cette info, et ce n'est pas très grave. C'était l'épisode 2 qui montre un penchant un peu différent, puisque la première fois, on est arrivé dans une base, il y a eu un petit peu d'action, il y a eu un petit peu de jet de dés, il y a un petit peu de recherche, machin, c'était pour découvrir le jeu. La deuxième, c'était... hôpital, question, combat, fin. C'était très rapide et très axé sur l'action avec un gros bourrin. Là, vous n'avez pas fait un seul combat. Peut-être qu'il se passera des trucs à l'épisode 3, mais ça, les amis, ce sera la semaine prochaine. Oui, juste pour dire qu'effectivement, un combat, enfin, j'ai quand même fait un mec un peu costaud, j'ai pas servi à grand chose là-dessus. Et autre chose, c'était intéressant, on a pu un petit peu. Se parler, etc., trouver des trucs, machin, et avoir une sorte d'enquête. J'espère que dans les prochains épisodes, il y aura aussi pas mal d'interactions avec des personnages non-joueurs. Pour l'instant, en fait, c'est vrai que j'ai pas. Jackson. J'étais vite fait Jackson, mais bon, j'avais autre chose à foutre. J'étais plus à vous observer, à vous donner des réponses.
Mais c'est ça qui est bien, il y a toujours des phases comme ça où tu vas être seul dans ton donjon et à trouver des trucs, ou alors tu vas parler avec plein de gens et du coup... Mais bien, je peux te donner des réponses, puisque c'est exactement le contenu du prochain scénario. Oh, c'est des interactions avec des personnages non-joueurs. Tu vas pouvoir vous faire plusieurs personnages. Je vais vous faire des petites voix, je vais vous faire des petits trucs. Je vais pouvoir être utile. Ah non, j'ai été utile déjà là. T'as fait que des 3. T'as fait que des 3, bâtard. J'ai jamais vu des jets de dés comme ça. Il a quasiment rien raté. Et puis, bah, alors, quand il rate, il gagne un jeton. Et puis derrière, merci, t'as le D8, t'es pas mal. Bah, donc vous en êtes bien sorti. Le jeu veut que tu réussisses à un moment donné. Donc, Mais franchement, voilà, vous avez eu plutôt les bons réflexes. J'espère. En tout cas, vous avez passé un bon moment autour de cette table. Merci à vous d'être venu. Merci à vous derrière votre écran d'avoir suivi ce chapitre 2. Rendez-vous vendredi prochain, 20h30, pour le troisième et dernier chapitre. On verra en fonction de la vitesse à laquelle on le fait. Moi, c'est simple. Hein. Si un scénario va très très vite, bah, peut-être qu'on en fait deux. Si, comme celui-ci, il est un petit peu plus en longueur, eh bien, on s'arrête dessus. Et à la fin de l'émission de la semaine prochaine, eh bien, on s'arrêtera là. Et si vous voulez découvrir la suite du scénario de Critical, eh bien, on vous invite à aller le prendre en boutique. Vous pouvez, par exemple, le prendre chez Play-In. Je n'ai pas de promo à vous donner, puisque comme c'est essentiellement un jeu narratif, eh bien, c'est un jeu sur lequel on ne peut pas faire de promo. Vous savez, ça fonctionne un petit peu comme les livres. Avec des TVA à 5,5, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, on ne peut pas baisser le prix de ce genre de contenu. De jeu. Exactement. Ouais. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à vous autour du plateau. On vous fait des bisous. On se donne rendez-vous, du coup, nous, demain. Demain à 16h. À 16h. Oui. Parce que. Attends. Oh là, il se passe plein de choses. Je mets un autre plan. Il se passe. Voilà. On se donne rendez-vous demain à 16h parce que on va faire les. Merci. Board Game Awards, j'allais dire les Game Awards parce que je sors d'une émission qui s'appelle comme ça d'hier, mais tout va bien. On va faire les Board Game Awards demain. Les Board Game Awards, qu'est-ce que c'est ? Ça n'a pas un... Je rassure les gens sur le fait que c'est pas le nouvel as d'or du jeu de société, etc., puisqu'on n'a pas spécifiquement testé tous les jeux de la Terre. C'est simplement notre liste de jeux qu'on vous conseille à demander pour Noël ou à acheter pour les autres. Pour Noël. Donc c'est la liste du Père Noël qu'on vous fait tous les ans. Une sorte de sélection. Et qui aura lieu cette année, du coup, sur cette chaîne. Elle est sponsorisée par plusieurs éditeurs. On travaillera avec Yellow, Asmodée et Gigamic. Et pour que notre top soit tout de même le plus impartial et qu'est-ce que j'allais dire ? Objectif. Objectif possible, voilà. En fait, vous allez avoir un top Rofellos, un top Marie Grandjeu, un top Max Hildan. Et un top Yellow, un top Gigamic et un top Asmodée. Ce qui fait que les éditeurs pourront mettre leur jeu en avant et auront leur top à eux, où on vous triera un peu leur jeu parmi nos préférences. Et derrière, on a nos tops à nous, qui eux ne sont pas du tout altérés par quelque sponsoring que ce soit. Et ce seront juste nos goûts à nous. Ça fera quand même plusieurs dizaines de jeux à vous 30 jeux qui vont vous être montrés. Ça va durer à peu près 3 heures, parce qu'on va essayer de passer... à peu près 5 minutes par jeu, histoire de vous donner un petit peu les détails. Ça nous a été beaucoup demandé, parce que ça fait les deux dernières éditions sont sur le stream. D'ailleurs, si vous voulez voir, ça, elle fonctionne encore. Hein, oui. On peut. Mais là, on sait évidemment, à chaque fois, on essaie de faire les jeux plutôt récents. Donc voilà, c'est cool. Il y a évidemment beaucoup de jeux qu'on a fait, mais il y a aussi pas mal de choses qu'on n'a pas faites. Et notamment le fait d'avoir Marie Grandjeu fait qu'on a des jeux jamais différents, ouais, ici, un peu différents. Il y en a un peu pour tous les goûts, que ce soit... voilà, on a essayé quand même de varier aussi un petit peu nos tops qui sont plutôt des sélections. Bref, ça va être très sympathique. Ce sera demain à 16h et c'est bien curvé avant le match. Comme ça, voilà, il n'y a pas de... Oui, on fera exprès, bien sûr, quoi qu'il arrive, de terminer pour que ceux qui le souhaitent puissent regarder le match de l'équipe de France contre l'Angleterre demain à 20h. Dimanche à 16h, on va jouer effectivement à un autre jeu ici. On va jouer à Colt Express avec une nouvelle extension, je peux la montrer, qui s'appelle Convoyeur et c'est pas grave. Convoyeur et train blindé. On va la découvrir avec vous dimanche. Et évidemment, vous allez voir qu'on va passer un très très bon moment. Et enfin, lundi, toute dernière émission de En Plateau. D'ailleurs, Marie, je crois que tu seras avec nous puisque c'est juste après Let's Go. Tu nous as dit que tu serais là. Je te rappelle ? Ah bon ? Ouais. Ok, cool. J'ai dit oui, c'est vrai ? Oh merde. Si t'es pas dispo, on s'arrange. Oui, c'est pas grave. C'est avant Let's Go. C'est après Let's Go. C'est à 14h pile. Non, c'est avant. Elle a raison, c'est avant Let's Go. C'est avant Let's Go, c'est après Starter.
D'accord, ok, oui, ok. Ah, j'avais dit oui, ok, très bien. Et ben voilà. Et bien du coup, à 14h, en fait, le but, c'est que comme c'est la toute dernière dans plateau, ouais. Et bien on va essayer de réunir tous les gens qui ont participé en plateau depuis un petit moment, dont Marie qui avait joué à Small World avec nous. On sera avec Kao, Adibou, Dina, Xari, Rof, moi, Marie et Ted, je crois. Et Ted. Et on va jouer à Challengers, oui. Qui est un super jeu. Spoiler, il est peut-être dans le top de demain. Oh, bon, critical aussi. Allez, on vous fait des bisous. On se donne rendez-vous demain pour les Board Game Awards. Merci à tous d'avoir suivi. Et à la semaine prochaine, 20h30, pour le dernier chapitre de Critical. Ciao. Ciao. Salut.